Alors, bonjour, et je sais pas s'il reste encore des gens, mais en tout cas, bienvenue sur l'épisode numéro 4 de Smimi et Nono Podcast. Je crois qu'on a eu quelques réponses des spectateurs sur nos vidéos, et on a eu des réponses extrêmement positives, et je vous remercie à tous pour vos réponses. Ça a été extrêmement difficile tout à l'heure quand on a essayé de s'enregistrer. On n'a pas réussi parce que ça laguait. Et on a trouvé une solution. Et j'espère que maintenant ça ira. Alors. Merci aux gens du chat qui ont conseillé de retirer les gifs. Merci. Ouais, je pensais pas que ce serait à cause de ça le problème. Mais visiblement, oui, c'était le cas. Et merci quoi. Alors, le thème de ce quatrième épisode, en fait, c'est. Le projet personnel versus commande. Comme je l'ai expliqué avec Nolan et puis même tout le monde, en fait, les artistes, c'est quelque chose qui leur arrive au moins une fois dans leur vie, c'est d'être tiraillé entre faire des commandes, pourquoi? Pour gagner de l'argent et faire des projets personnels à côté parce que c'est quelque chose qui leur plaît au final, quoi. C'est pas considéré comme du travail, on va dire, c'est comme du plaisir, quoi. Mais comment savoir, comment réussir à jongler entre les deux? On ne sait pas. En tout cas, moi, j'essaye. On est tous dans ce cas-là. On est tous dans ce cas-là. C'est bien parce qu'on a invité justement Stéphane Villemain et Jonathan Job Nkondo pour venir justement nous guider, vous guider. Et juste, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, on saura pas, on saura peut-être plus tard dans le podcast, mais en tout cas, voilà. Donc, petite introduction du thème d'aujourd'hui. Et du coup, présentation des invités, à commencer par Stéphane. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours, ta jeunesse, tes études et pourquoi est-ce que tu as décidé de dessiner et voilà quoi. Bonjour, mon parcours c'est un bac art appliqué. Ensuite j'ai fait un an aux Beaux-Arts et après j'ai fait les Gobelins. Depuis je travaille dans l'animation et aussi dans l'illustration. En fait ce que j'ai fait c'est que je suis sorti des Gobelins en 2008 et j'ai travaillé d'abord dans l'animation jusqu'en 2011. Et en 2011 j'ai fait un projet qui s'appelle Lycéenne. C'est une BD en GIF que j'ai mis sur mon blogspot à l'époque. Et en fait, c'était un truc un peu nouveau en fait, à ce moment-là. Il me semble que c'était le premier projet comme ça, en fait. Et ça a fait un peu de presse. J'ai eu un article dans Wired. J'ai eu des petits. Un petit peu de. Enfin, ça fait un peu de bruit. Ce qui fait que j'ai commencé à choper des jobs en illustration à la suite de ça, en fait. Il y a des clients qui m'ont demandé de faire plus de GIF. Donc j'ai fait des trucs pour Arte, pour le New York Times. Et depuis, je continue de faire de l'illustration un peu comme ça. Et en fait, je fais les deux en parallèle. Je fais de l'animation. Donc ça, c'est vraiment plus alimentaire en fait, parce que c'est des travaux quand je fais de l'animation que je ne vais pas du tout mettre en avant. Et quand je fais de l'illustration, c'est des trucs que je mets sur mon site et que je présente au monde, avec mon nom dessus. Et aussi je fais pas mal de projets perso. Et ça, c'est pour moi, c'est en fait ce qui me plaît le plus, en fait c'est ce qui définit le plus ce que j'ai envie de faire. Parce qu'avec les commandes, il y a quand même ce que toi tu as envie de faire et il y a aussi ce que le client a envie de recevoir. Donc c'est quand même un peu un compromis. Et depuis 2016, là, je suis sur un projet de film court en animation que je fais complètement tout seul. Et donc ça, c'est un peu comment dire, l'aboutissement de mes 10 ans de carrière, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait absolument que je fasse ce projet-là. Un peu, c'est un peu une réaction, en fait, le moment où j'ai commencé à faire ce projet, c'était un peu en réaction au fait que j'étais pas toujours très content, en fait, de devoir travailler avec les contraintes du travail et du monde professionnel. Et en fait, j'avais envie de faire ce truc-là en étant complètement dehors et sans me préoccuper d'argent, de temps, d'opinion d'autres personnes qui allaient se mettre dedans, quoi. C'est marrant parce que du coup, je rebondis par rapport à la première vidéo qu'on a faite ensemble, Nolwenn. C'est que justement, cette idée du court-métrage, tu l'as commencé quand tu avais 30 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Et justement, c'est exactement l'idée qu'on se disait avec Nolan, c'est qu'arrivé à 30 ans, en fait, on se dit, fuck les contraintes, on veut faire nos trucs, on veut se sentir un peu plus libre de notre créativité, et c'est là qu'on a décidé de se mettre au chômage pour développer nos projets personnels. Enfin, disons les C'est choses ça. comme telles, tu vois. Donc, Ouais, bah oui, je pense que c'est un peu comme il y a des gens qui font un marathon l'année où ils ont 30 ans parce que tu as envie un peu de te dépasser et de faire des trucs qui te. Ouais, clairement, Exact, tu ouais. te remets des choses en perspective la dernière année et tout. Donc, ouais, c'est clair, c'est ça. Et toi, du coup, Jonathan, ton parcours? Moi, je pense que la frustration, elle est arrivée un peu plus tôt au final. J'ai pas attendu les 30 ans, quoi. Mais Dès la non. sortie de l'école, je veux dire. À la sortie de l'école, je me suis dit, enfin, j'ai senti le besoin de faire des trucs perso, quoi, vraiment. C'est l'école qui t'avait frustré alors? Bah, c'est que j'avais l'impression, enfin, il fallait que je me trouve, en fait, il fallait que je trouve ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Donc, du coup, le seul moyen, c'était de faire enfin, de travailler sur des projets perso. Et plus t'en fais, plus tu te sens à l'aise avec Et ce comment que tu tu fais. mangeais alors? Pardon? Comment tu mangeais alors? Comment tu... Ah Ouais. non, je veux dire à côté du travail, quand je vais Oui, faire à à côté du travail, ouais. côté du travail, ouais, non, carrément. Et juste pour l'audience, est-ce que tu peux faire une petite présentation de ton parcours, quand même les écoles que tu as fait et les petits tafs pour qu'on ait une petite... qu'on te connaisse? Alors, j'ai fait un bac littéraire. Après mon bac, je ne savais pas vraiment quoi faire, donc du coup, je me suis orienté sur une année en prépa à l'atelier Hourdé. Yes. Après l'année de prépa, Atelier où on les représente. après l'année à l'atelier, enfin, après l'année de prépa, je savais toujours pas quoi faire. Donc du coup, je suis resté dans cette école qui proposait un cursus soit en communication graphique, soit en design d'espace. J'ai pris communication graphique. J'ai fait une année. Après cette année, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Du coup, j'ai arrêté les études. J'ai travaillé parce que à l'époque, je vivais avec mes parents. Ils avaient emménagé à la campagne, donc du coup, pour venir à Paris, ça devenait un peu compliqué. Donc, il fallait que je me barre de chez mes parents, que je trouve un appart, du coup, trouver un travail. Donc, pendant une année, j'ai travaillé et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire si j'allais reprendre les études, quoi. Du coup, j'ai testé les Gobelins. Ouais. Enfin, depuis, je fais de l'anime. Enfin, Et c'était quoi le travail que tu avais fait? J'ai travaillé à Disneyland. Travaillé à Disneyland. T'as travaillé à Disneyland? Ouais. Et comment c'est là-bas? Mes parents aussi ont travaillé à Disneyland et mon frère aussi, sauf moi. Ah, c'est vrai? Ça va Mais peut-être vous venir un avez... jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces La gens? seule chanceuse de la famille. Arrêtez, c'est vous les chanceux, ça m'a trop donné envie d'y travailler. Même Ah ouais. malgré tout ce qu'ils m'ont raconté, tu vois, mais ça fait une sacrée expérience, humainement en tout cas, j'ai envie de dire. Carrément, carrément. C'est ce que j'ai kiffé, hein. C'est le seul point positif, quoi. Après, la paye, elle est pas géniale, mais. Et puis c'était loin aussi, bah, c'est sur ta ligne, tiens, C'est pour le coup. sur ma ligne, ouais. Du coup, après, j'ai fait les Gobelins, 3 années, je suis sorti en 2011, et depuis 2011, bah, enfin, depuis 2011, juste après les Gobelins, j'ai commencé à travailler dans différents studios en France. Ensuite, j'ai emménagé à Londres, donc je faisais du freelance à droite à gauche. Et au bout d'un moment, j'ai senti que enfin, j'ai senti je pouvais plus le faire en fait, que c'était pas fait pour moi quoi. Donc j'ai décidé de rester à la maison et travailler en remote. Du coup, c'était quand ça? Après, moi, je suis super mauvais en date, hein, mais c'est peut-être il y a 6-7 ans que j'ai vraiment décidé d'arrêter de me déplacer. J'ai juste travaillé depuis chez moi, quoi. Du coup, Je je fais un peu comprends. de freelance en illustration, en animation. Moi, je travaille dans l'animation, mais je fais pas d'anime. Je fais majoritairement du storyboard, je fais du layout, du design. Et puis voilà, quoi. Je passe le plus clair de mon temps à essayer de développer mes trucs, des petits projets perso, que ce soit comics ou animation, film, ou, enfin, je teste des trucs, quoi, à côté, quoi. Ce que l'on peut dire, c'est que vous deux, en tout cas, vous êtes extrêmement productifs. Je ne sais pas du tout comment vous faites. En dehors du fait que vous jonglez déjà entre de l'alimentaire et vos projets personnels, quand vous avez le temps,
comment dire, vous n'êtes pas bloqué en fait. Et rien qu'en voyant justement sur vos pages, vos sites et tout, ça produit quand même pas mal, je trouve. En tout cas, comparé à moi, moi j'ai trop du mal. Je produis pas assez, moi. Ouais, beaucoup quand même. Non, moi j'ai pas la... Ouais, pardon. Tu travailles pas, Sandrine? Travail. travail. Si, mais justement, je me suis mis 7 mois de chômage justement pour lancer ma carrière d'illustratrice, BDiste et puis même freelance en fait. Bon, ça vient petit à petit et j'imagine que c'est un sacrifice qui mérite d'être fait parce que ça faut être patient, j'ai l'impression honnêtement, parce que ça vient pas du premier coup. Il y a des moments où, par exemple, quand tu enchaînes plusieurs années de prod, en fait, il y a des moments où tu t'essouffles, t'as plus l'habitude de travailler pour ouais. toi. Et en fait, comme t'as l'habitude de changer de style à chaque fois, au bout d'un moment, tu te perds un peu. Donc, il faut te laisser au moins quelques mois, en fait, histoire de te retrouver un peu, quoi. Et ça prend vraiment du temps. Il y a des moments où tu te retrouves et il y a des moments où tu te retrouves pas et tu fais autre chose. Du coup, tu fais quoi? Tu joues aux jeux vidéo, tu regardes des séries, tu regardes des films, tu fais autre chose, tu manges. En général, je mange, quoi. Et 7 mois ont passé, j'ai fait hey, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5 planches de BD, yeah. Aïe, aïe. Non, j'ai eu ça. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est que t'as besoin de vacances, quoi. Non, ouais, c'est clair, ouais. Mais j'ai eu cette réalisation en sortant de l'école. Juste après l'école, enfin après le diplôme, on faisait. On essayait plein de pitch. Et tu sais, dans les pitchs, en publicité, on demande de t'adapter à plein de styles différents. Quoi. Mm-hmm. Je me souviens, un soir, je rentrais chez moi, j'essayais de dessiner pour moi. Et juste, je ressortais ce que j'avais fait dans la journée. Et c'est pas, ouais. c'est pas vraiment ce qui correspondait à ce que je voulais faire. Quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, non, il faut que j'essaye de passer plus de temps. Je me concentre plus à me trouver moi, personnellement, plutôt qu'à donner ce temps et l'énergie à des pitchs ou à des boîtes quelconques. Quoi. Bah justement, ce que tu dis, ça fait une bonne transition sur ce dont on voulait parler, le style et la difficulté en fait de quand on est à l'école, on essaie absolument de se trouver un style et d'essayer d'être donc original et de faire des choses qui plaisent aux boîtes et tout. Et un peu plus tard. Un peu plus tard, on se rend compte que ça prend beaucoup de temps d'essayer de faire un style plutôt que faire des choses assez simples, ce dont on discutait juste avant. Et d'ailleurs, Stéphane, tu avais un truc hyper intéressant à dire là-dessus. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, moi, mm-hmm. on parlait de ça. Du coup, ouais, je disais que quand on était au Gobelin, en fait, à ce moment-là, moi, mon focus, le truc qui m'intéressait le plus, c'était plutôt le design. Et j'avais envie de faire de l'illustration aussi. Et en fait, en illustration, j'ai l'impression que le pinacle un peu de l'illustration, le truc que tout le monde recherche, c'est d'avoir un style et d'être original. Parce qu'en fait, c'est ça que les agents et que les clients que les agents vont vendre aux clients. C'est OK, on a cette personne-là qui dessine de cette façon-là. Il a 15 000 dessins qui se ressemblent tous. Donc, vous n'allez pas trop étonner avec ce qu'il va vous fournir parce que ça va ressembler à ce panel de dessins. Et moi, en fait, j'avoue que quand j'étais étudiant, c'est un truc qui me paraissait... En fait, je regardais le dessin un peu de cette façon-là. En fait, je me disais que... en fait, je cherchais cette espèce d'originalité. J'avais tout le temps envie de faire des trucs qui allaient se distinguer, en fait, de la façon dont les autres personnes dessinent. Mais en fait, je pense que ce truc-là, c'est aussi la grosse faiblesse de l'illustration en tant que média. C'est que le style, c'est quelque chose qui est très facile à copier, en fait. Et que même si tu es original 6 mois... ça va pas durer parce qu'il va très vite y avoir d'autres personnes qui vont dessiner pareil parce qu'il y a des modes. Et en fait, je me suis rendu compte un peu, moi j'ai l'impression en travaillant que c'est un truc un peu vain en fait de chercher l'originalité dans la façon dont toi tu dessines. Et que c'est, ouais, en fait, je pense que c'est une perte de temps en fait parce que tu vas tout le temps, si tu cherches à être original, tu vas tout le temps chercher, enfin, tu vas jamais rester original très longtemps. Et voilà, en fait, ce que je disais, quoi, moi, c'est pas. Mon style personnel, la façon dont il a évolué depuis que j'ai commencé à travailler, c'est que je dessine de façon peut-être de plus en plus réaliste et en essayant d'être le plus technique possible maintenant, parce qu'en fait c'est le truc le plus difficile à imiter, c'est ça en fait, c'est la technique, c'est si tu passes vraiment des heures à essayer de faire les choses le plus techniquement, à faire un truc très difficile techniquement, en fait il y a moins de gens qui vont t'imiter.
Et en fait, là où je cherche plutôt, sans chercher vraiment, mais en fait, je pense là où j'exprime mon originalité, ça va plutôt être dans les sujets que je traite, en fait, ce que je vais décider de dessiner, plutôt que la façon dont je vais le dessiner. Alors qu'en fait, quand j'étais étudiant, moi, j'étais plus intéressé, je pense, par le dessin. Et en fait, justement, je trouvais ça vachement intéressant de voir la façon dont les gens allaient dessiner tel ou tel truc. Alors qu'en fait, ça, maintenant, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. C'est plutôt, ce qui m'intéresse plutôt, c'est, OK, qu'est-ce que tu as dessiné et, qu'est-ce que, et en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop l'illustration, même si je fais de l'illustration et que ça m'amuse quand même de temps en temps. Mais je trouve que c'est un média qui est quand même assez creux, parce que c'est un média qui recherche, en fait, tout le temps ce truc-là, qui est très en surface, qui est, OK, y a un style, il y a des couleurs, un truc qui est un peu dans l'air du temps, mais après... c'est quand même ouais, je trouve que c'est un peu creux, parce que aussi c'est un truc qui est très, en fait, je trouve que l'illustration, c'est un peu comme un tweet, en fait, quand tu, par rapport à la littérature, c'est très, c'est une image, et en fait, du coup, c'est pas, c'est très difficile, en fait, de c'est pour ça que je préfère, moi, faire dans les projets perso, faire de la BD ou de l'animation. C'est que la BD ou l'animation, t'as l'image, mais t'as aussi l'histoire, et dans l'animation, il y a encore plus de curseurs, il y a le son, le montage, tout ça, et en fait, ça fait que le résultat final, c'est un truc qui est très complexe, alors qu'en illustration, c'est un truc qui est très simple. Et en plus, l'illustration, en fait, la définition d'illustration, c'est que c'est un dessin qui est fait pour une commande, en fait, pour illustrer quelque chose. Du coup, c'est quelque chose que tu vas faire toujours. En fait, c'est tout le temps un travail de commande. Un travail de commande. Si c'est une illustration que tu fais pour toi, c'est plus une illustration. Ah bon ? Bah, parce que illustration, en fait, la définition, c'est que ça illustre. Donc, ça va être pour illustrer un texte, pour illustrer une pub, pour illustrer un truc. Sinon, ouais, c'est du dessin, en fait. Si, c'est un, ouais. Si c'est un dessin que tu fais pour toi, c'est du dessin, mais c'est pas de l'illustration, toi. D'accord, je savais pas. Enfin, je sais pas si c'est la vraie définition, mais moi, c'est... ouais, je pense que c'est ça. D'accord, ok. Ouais, mais... coup, là, c'est très vite, parce qu'en fait, t'as tout de suite le sujet qui est donné, si c'est pour illustrer tel ou tel truc, et voilà, en fait, ça repose beaucoup sur le style, quoi. D'accord, ouais. Mais bon, c'est quand même cool aussi d'en faire de temps en temps. Après, il y a tout le... dans ces contraintes-là, tu peux toujours trouver un truc amusant à faire. Moi, j'aime bien en faire. Mais pour ce qui est de mes projets perso, j'ai l'impression qu'avec l'animation ou la BD, en fait, il y a beaucoup plus de curseurs sur lesquels tu peux jouer, quoi. C'est beaucoup plus complexe, quoi. J'ai l'impression que je rejoins avec ce que tu disais par rapport à simplement illustrer et raconter une histoire. C'est vrai que quelque part, quand tu racontes une histoire et que tu émouvois, enfin que tu rends ému un certain public, tu es sûr que ce public-là sera impacté, en fait, par ce que tu racontes, en fait. Et les gens, enfin, c'est pas qu'ils t'oublieront moins, mais ils se souviendront plus de ce que tu as fait par le biais de tes histoires, plus que par une simple illustration, quoi. Je sais que. Ouais, c'est cool. Enfin, je sais pas, à l'époque, des peintres et tout, on pourrait être époustouflé par la performance. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant en art, en fait, on nous pousse justement à se souvenir, en fait, de leur nom. Mais c'est vrai que de cœur, en fait, je me souviendrai surtout des films que j'ai regardés, non pas parce que c'était beau, mais parce que l'histoire m'a énormément émue. Ou... même par la BD ou ce genre de choses, en fait, parce que ça va au-delà du visuel, en fait. Bah, c'est ce qu'on dit souvent à un prof d'animation à l'MK qui nous avait dit pour faire un film, il y a besoin de trois choses, une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Ouais. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que tu peux essayer de faire forcément la forme, ça va être important, surtout pour des films genre, bah, je sais pas, des blockbusters ou des films hyper travaillés avec des images très. Très fantastique et tout, mais puis même, ouais, même des films d'auteur, enfin, il y a des images hyper bien travaillées, et t'as aussi le fond où forcément, ben, je dirais que si t'as un bon fond, une bonne histoire, et que la forme est pas top, c'est pas grave, tu peux t'en tirer, mais si t'as une belle forme et que t'as pas d'histoire, bah, ton film va pas vraiment fonctionner. J'ose espérer, mais c'est pas toujours ça. Moi, je pense que la forme, c'est ce qui est le plus important, en fait, par contre. Mais. Ah bon ? Oh, sérieux ? Ah ouais, ouais. En fait, je pense que. Ok. Non, en fait, après tout ce que tu viens de dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que. Comment dire ? En fait, pour moi, l'histoire, ça fait partie de la forme aussi. Mm-hmm. La façon dont tu vas la raconter, dont ça va être mis en scène.
Parce que, en fait, moi, c'est un des trucs qui me gêne, en fait, avec la façon dont l'industrie est faite, c'est que tout est très divisé dans l'animation. Et que souvent, je trouve qu'il y a des. C'est facile, en fait, d'avoir, surtout sur les projets, par exemple, de pub, où on va coller un design avec des animateurs. Et en fait, comme on fait les équipes très vite, c'est pas forcément des animateurs qui sont habitués à animer dans le style de ce design-là. Après, le storyboard, le mec qui fait le storyboard, il sait même pas la gueule que va avoir le design au final. Ce qui fait que c'est incohérent. Alors que, en fait, moi, ce que je trouve qui est magnifique, en fait, c'est quand tout est cohérent et quand tu as une forme qui est où le fond et la forme sont oui. ensemble, quoi. Les deux sont importants. C'est clair que, en plus. Je peux pas vraiment me dire que le contraire, parce que moi j'ai fait un film qui était quand même basé sur la forme, quoi, sur le côté peinture animée, c'est ce que je voulais faire à la base. Puis après j'ai. Ouais, mais ouais. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, parce qu'à la base on est tous un peu dans des trucs visuels. Mais, Oui, nous, mais je veux dire, moi je pense quand même que malgré tout, même si les deux sont très importants, fond et forme, histoire et le rendu, je pense quand même que quelque chose qui a une mauvaise histoire, même si la forme est bien et que c'est beau, tu vois. Genre, j'ai acheté une BD il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé les dessins super beaux et je me suis dit, ah, c'est génial. Je l'ai ouvert, j'ai rien compris à la BD, ça ne m'a pas touché du tout. J'ai vraiment pas. Le découpage, je pense, c'était un petit peu flou pour moi et du coup, j'étais pas touchée par la BD du tout. Alors qu'une BD qui va avoir des dessins peut-être moins travaillés, mais avec une histoire qui va me toucher. Et là, je vais m'en souvenir de cette BD. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je suis d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, si la forme n'est pas, ne traduit pas en fait ce que le fond est, automatiquement, je trouve que ça va être laid, en fait. Même si ça travaille. Pas ce que je veux dire. Ouais. 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 En fait, pour moi, un truc qui va vraiment me toucher, c'est vraiment. Je pense que c'est pour ça aussi que les travaux de commande, je pense que c'est souvent un peu compliqué. C'est que la forme, c'est toujours, on va, surtout quand c'est de la pub, c'est OK, on va vendre un produit. Et du coup, il y a un truc qui va venir habiller notre discours de on essaie de vendre ce produit. Et du coup, je trouve que c'est assez difficile que ce soit beau et touchant parce que ça reste une pub, en fait, même si les dessins sont très beaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mmh. Et en fait, pour le coup, là, on peut vraiment dire que la forme et le fond sont pas en accord, en fait. Enfin, Il y a, juste pour revenir en fait sur la combinaison entre le fond et la forme, il y a pas si longtemps en fait, enfin en tout cas en ce moment, j'essaie d'élargir en fait mes intérêts sur, enfin d'élargir sur mes connaissances en BD en fait, et il y a certainement un pôle en fait de la BD que je n'ai pas bien regardé en fait, c'est la BD alternative. Où en fait, cette année, oui, je suis partie au Festival d'Angoulême, où je suis allée voir des connaissances de Twitch, ou des gens qui travaillent dans la BD, et qui m'ont fait découvrir, en fait, par le biais, en fait, de fanzines indépendants, et un peu, j'appellerais ça un peu schlag, quoi. C'est que, à première vue, en fait, quand t'es pas habitué à cet univers-là, en fait, ça peut être un peu rebutant. Mais le truc, c'est que, bon, je suis vraiment désolée pour les artistes, mais en général, souvent, leurs histoires sont intéressantes, en fait, c'est ça le truc. Et que, justement, l'univers est tellement décalé qu'il m'a fallu quand même m'habituer à l'aspect visuel avant de pouvoir, en fait, rentrer dans l'histoire. Et c'est à ce moment-là que, quand tu rentres dans l'histoire, en fait, au bout d'un moment, tu commences à développer une sorte d'affect, en fait, même pour le visuel, en fait. Et franchement, c'est ultra intéressant dans ce sens-là aussi. Après, c'est difficile. Il y a une question du chat. Ouais, vas-y. C'est Django950 qui demande est-ce que dessiner ça peut être un frein à l'histoire au sens où on est habitué à penser à la réalisation technique du projet ? Dessiner ça peut être un frein à l'histoire. Quand tu réalises un projet et que tu penses trop à la technique, est-ce que c'est un frein à ton histoire ? Ça dépend pour qui, hein, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que ça dépend pour qui. Pour moi, c'est pas un frein en tout cas, parce que justement, j'ai souvent des idées de mes BD ou des trucs que j'ai envie de faire, ça part souvent d'une idée de dessin en fait. Et après, à partir de ça, ça développe une histoire. Ouais. Bah, c'est vrai que des fois. Enfin, moi je sais que je travaille bien avec des contraintes.
c'est-à-dire les contraintes de dessin ou les contraintes de... Genre, je sais pas bien animer, et du coup, j'ai essayé de faire un court-métrage en me disant, bon, je sais pas animer, je vais juste faire un personnage tout droit avec une bouche qui parle et qui parle devant une caméra. Et ça a mené à une histoire, en fait. J'ai toujours des contraintes qui aident à trouver des histoires, parce que s'il n'y a pas de contraintes, il y a tellement de possibilités qu'on n'arrive pas à choisir et on n'arrive pas à décider. Enfin, c'est personnel. Après, non, les contraintes techniques, elles ne s'appliquent pas naturellement du fait qu'on fasse des films par nous-mêmes, la plupart du temps. Juste, on se limite à ne pas aller trop loin, on ne pas tester trop de trucs parce qu'on sait qu'on est tout seul à animer ou à faire le compte ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Du coup, je ne sais pas si c'est un frein, non, je ne pense pas. Je pense que naturellement, on s'adapte à notre projet et on fait en conséquence, quoi, non ? Non, c'est clair, ouais. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir de frein. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, je disais que j'aimais bien la BD ou faire des BD ou faire de l'animation parce que c'est très complexe. Mais justement, c'est un truc qui c'est assez personnel. Moi, j'aime bien faire ça. Mais si il y avait une personne, par exemple, qui adorait dessiner et en fait qui sentait qu'elle était freinée dans sa capacité à écrire des histoires, en fait, je pense qu'elle a qu'à juste dessiner et ne pas écrire d'histoire. Et peut-être qu'elle va faire des dessins qui vont être extraordinaires. Et qui vont se passer d'avoir une histoire, en fait. Enfin, moi, si je disais ça personnellement, tu vois, moi, j'aime bien le truc, j'aime bien, à titre personnel, faire ça parce que c'est très complexe et que c'est un truc qui me plaît. Et que j'ai l'impression que c'est un truc qui me stimule. Mais si ça me gênait, en fait, peut-être que je ferais autre chose, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai réalisé récemment, c'est que j'ai un problème à me limiter à un dessin, à faire une illustration, en fait. Parce que j'ai toujours, comme toi, Stéphane, maintenant, c'est pas que je m'en fous du style, mais mon focus, il est plus sur le concept et l'idée, mm-hmm. et raconter des histoires, et du coup, à chaque fois que je fais un dessin et que j'essaie de m'imiter à ça, enfin, j'y arrive pas, je pense toujours à ce qui se passe après ou avant, ou comment le personnage, il évolue, ou ce qui pourrait se passer, je sais pas, ailleurs. Donc, du coup, à chaque fois, je fais un dessin, et ça part sur 3 dessins et sur 4 dessins, quoi. J'arrive, j'ai du mal à faire juste un dessin et bam, me limiter à ça et juste... C'est vrai, bah, je pense que ça dépend des gens, parce que moi, honnêtement, quand j'étais à Gobelin, quand j'étais face en fait à des gens qui adoraient développer des dessins, en fait, moi j'étais le genre de personne qui pouvait me contenter que d'un seul dessin. Quand par exemple, on me demandait, vas-y, cherche des designs, je suis là, genre, je fais un dessin, je suis là, genre, ouais, ça va, c'est pas mal. Alors que le gars d'à côté, il en a fait 100, genre. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, le problème, c'est peut-être moi, je sais pas. Non, je pense pas que t'as un problème. Si t'es satisfait avec ce que t'as produit, c'est... tant mieux, quoi. Premier coup, oui. Bon. après, le truc, c'est que je pense que c'est intéressant de savoir que chacun a une vision complètement différente justement du développement et de la satisfaction, on va dire, tu vois, du résultat, quoi. Ouais. Après, c'est un truc qui change aussi dans le temps, parce que moi, je me souviens que juste l'année où je suis sorti des Gobelins, en fait, j'ai eu une espèce de fascination pour le dessin, mais pur, en fait. En fait, je trouvais que, justement, de rajouter des bulles ou une histoire, ça me paraissait être une espèce de truc très... je trouvais ça, en fait, un petit peu trop facile, en fait. Mmh. Ce qui fait que l'année où je suis sorti des Gobelins, je dessinais vraiment limite comme un bébé, en fait, au stylo. Je faisais des carnets où je faisais des espèces de bonhommes, un peu comme quelqu'un qui dessine quand il est au téléphone et qui fait n'importe quoi, tu vois. Ah. En fait, je trouvais ça super cool. Je me disais, waouh, c'est trop beau et tout, mais personne ne comprend, putain. Et après, je me suis mis à rajouter des bulles sur les personnages, comme ça, et qui leur sortaient de la bouche. Et en fait, je trouvais ça trop injuste, parce que je me disais, regarde, je suis sûr que si je rajoute une bulle à ce personnage et que je le fais dire un truc, d'un coup, dans l'esprit des gens qui vont le voir, ça va avoir beaucoup plus d'intérêt, alors qu'à la base, c'est juste le dessin qui est bien. Et en fait, du coup, je rajoutais des bulles et je mettais un petit début d'histoire comme ça, une espèce d'amorce qui faisait qu'il y avait une espèce de début de suspense. Mais en fait, je trouvais ça super... j'aimais pas, en fait, ce truc-là. Alors que maintenant, c'est l'inverse. En fait, maintenant, je pense que le dessin pour le dessin, ça m'intéressait un peu moins, tu vois. Alors, en tout cas, en ce qui concerne ma pratique personnelle, hein, je parle pas de, tu vois, si je vais voir une toile de Picasso, c'est juste un dessin, je trouve ça magnifique. Mais pour moi, j'aime bien, en fait, faire un truc... Picasso, c'est juste un dessin.
Bah, le truc, c'est que franchement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'histoire, tu vois. C'est ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, il y a une histoire dans le contexte, mais pas l'histoire au sein même de la peinture, quoi, du tableau, quoi. Mais justement, moi, j'aurais une question, c'est que justement, vous qui vous concentrez enfin sur de l'histoire, quel est le genre d'histoire est-ce que vous souhaiterez raconter, qu'est-ce qui vous intéresse justement de raconter aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez, quelle est la réaction que vous attendez justement du public sur vos histoires, quoi. C'est dur comme question. Ah ouais, ah. Tu peux répondre si vous voulez, déjà. Ouais. Quand tu as parlé de BD alternative, enfin, j'ai pensé à la dernière, enfin, la BD que j'ai sortie aux éditions réalistes, qui raconte pas d'histoire vraiment en fait. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste des personnages qui se baladent et tu les suis. En fait, je pense que je lis de la BD depuis que je suis gosse, tout type de BD, belge, française, comics, manga. Et du coup, j'arrive à un moment où j'ai l'impression que ça tourne en rond en fait. On raconte plus ou moins les mêmes histoires, il y a les mêmes schémas narratifs, et les mêmes structures. Et du coup, j'arrive à un point où c'est pas que je m'en bats les couilles, mais j'ai envie de tester des choses différentes. Ouais. À la recherche de quelque chose de plus. Ouais, sans forcément vouloir raconter quelque chose, quoi. Raconter une histoire sans vraiment raconter quelque chose, est-ce que c'est bizarre, mais bon. Un concept. Voilà, je cherche des idées, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'émotion particulière que je cherche à véhiculer, quoi. Est-ce que quelque part, ce serait pas justement au public de deviner ce que tu essaies de raconter? En fait, le truc, c'est que tu cherches même pas à raconter quelque chose, en fait. C'est genre, tu balances un truc et... C'est le public qui prend. Ouais, c'est le public qui apprend. Ouais. Moi, dans le processus, ça me fait kiffer de le faire. Et si le public. Ouais, c'est comment il le prend. Si ça le fait kiffer, tant mieux. S'il ne comprend pas, tant pis. Je continue à tester des trucs, quoi. Mais je commence pas un projet en me disant ah, comment le public va réagir. Est-ce qu'il va... Mais c'est un concept assez intéressant. Il y a des moments où, par exemple, je débat souvent sur la série Evangelion. Et justement, Evangelion, c'est typiquement le genre de série où il y a eu 36 milliards d'interprétations sur le sujet, sur ce genre de choses. Et le truc, c'est que tant que les gens, ne parlent pas japonais pour communiquer avec le réalisateur, en fait, ils n'auront aucune réponse. En plus, le mec, il te donnera limite aucune réponse, quoi qu'il arrive, du coup. Ça crée quelque chose en fait dans le public, et je pense que c'est même accidentel du réalisateur, parce qu'il s'attendait pas à un tel succès en fait, que du coup l'œuvre vit au travers du public en fait. C'est même, enfin, il appartient même plus au réalisateur en fait, il appartient, enfin, il vit tout seul, quoi. Ça, c'est intéressant. Non, ça c'est bien. Et toi, Stéphane, avec tes histoires un peu décalées, qu'est-ce que tu cherches à nous raconter? En fait, là, pour le moment, les trucs à lire qu'il y a, il n'y en a pas énormément. Il y a la BD lycéenne qui commence à dater un peu. Et il y a les BD que je mets sur Instagram. Et en fait, les BD que je mets sur Instagram, donc pour la petite histoire, c'est j'ai commencé à les faire au même moment où j'ai commencé à faire mon film. Et en fait, là, je vais faire une allégorie un peu, mais donc en imaginant que tous les dessins et les BD ou animations que je fais, qui émanent de moi, soient comme une espèce d'avatar, tu vois, un golem. Mm-hmm. En fait, le film, ce serait le corps, tu vois, du golem. En fait, ce serait une espèce de personnage en énergie, comme ça. Le film, mm-hmm. c'est le corps, il a ses membres, sa tête, tu vois, qui sont durs, que tu peux toucher. En fait, les BD que je mets sur Instagram, c'est ses cheveux, en fait. D'accord. Du coup, le corps, en fait, c'est le film. Pour moi, c'est vraiment j'essaie de faire un truc vraiment solide, vraiment, vraiment, de mettre tout ce que je peux dedans. Et les cheveux, c'est des trucs qui poussent. Tu les coupes, tu les changes de forme un peu, tu fais un peu ce que tu veux, n'importe comment. Du coup, en fait, les BD, c'est vraiment ça. C'est vraiment un truc que je fais pour m'amuser, quoi, et qui sont sur lequel je réfléchis pas trop, et même dans la forme, c'est très vite fait, c'est un peu dessiné à l'arrache. Mais pour ton film, t'essaies de faire quelque chose de solide?
c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est, les deux, je pense, sont un peu reliés parce que c'est le même énergie. Ouais. Mais les BD sont vachement plus... Du coup, je l'ai fait pour rigoler, mais en fait, les BD, c'est moins sérieux que le film, en fait. Le film, c'est un truc que je prends beaucoup plus au sérieux. Les BD, je les fais vraiment pour me... En fait, parce que comme je fais le film, en fait, je passe tellement de temps à faire... C'est de l'animation, c'est hyper réaliste, je sue, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai envie un peu de me passer les nerfs sur autre chose, et je fais une BD, et ça me prend 5 minutes, et je la mets sur Instagram. Et du coup, ouais, c'est pareil, je pense pas trop non plus à ce que les gens vont en dire. Mais ça me fait vachement rigoler, par contre, quand il y a des gens qui mettent des commentaires. Parce que, en fait, c'est des trucs, moi, qui me font rigoler. Et c'est des histoires que je prends, je prends pas ça trop au sérieux. En fait, je me suis rendu compte que souvent, il y a des gens qui s'attachaient aux personnages. Alors que les personnages, c'est vraiment le dernier truc auquel je pense. En fait, je fais vraiment le premier personnage qui me passe par la tête, comme ça, je lui mets une bulle, mais ils n'ont aucune personnalité, en fait, ils sont juste, tu vois, c'est plus l'action, en fait, ce qui se passe dans le... C'est ça l'idée que j'ai à la base, tu vois, je me dis, ok, je vais faire deux personnages qui font ça, et, mais après, il y a des gens qui font, ah non, ce personnage-là, machin... Ah, c'est parce que malgré tout, tu vois, les humains, ils ont vraiment ce truc de pouvoir s'attacher à un dessin, même si toi, tu as l'impression qu'ils sont vides, tes personnages... vis-à-vis de ce qu'ils disent et puis de ce qu'ils vont faire dans tes BD, les gens ils vont s'identifier automatiquement et du coup ils vont s'accrocher, quoi. Ouais, en fait c'est trop marrant de voir ça. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, c'est genre typiquement ces vidéos de chiens, enfin en fait le truc c'est que je dis pas qu'ils ont pas d'âme ou quoi, mais c'est juste que les scientifiques ont prouvé que les émotions sont complètement différentes des humains et que les animaux ont une âme. Les animaux ont une âme, je le sais, c'est juste que par exemple il y a un quiproquo par rapport à leur façon d'exprimer leurs émotions, tu vois, et je pense que les chiens et les chats ont capté que quand ils font un certain mimique, en fait, les humains captent par exemple que, ah, ils ont faim, ou ah, ils sont tristes, ou ah, il se passe un truc, tu vois, et le truc c'est que normalement c'est pas développé de façon naturelle, genre, mais c'est des choses qu'ils ont développées en étant en contact avec des humains, tu vois, et le truc c'est que... C'est comme un langage. C'est quoi? C'est comme un langage pour communiquer avec nous, quoi, qu'ils ont créé juste pour nous, quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Et le truc, c'est que les humains ont tellement besoin, en fait, de se familiariser avec quelque chose qu'ils connaissent, du coup, ils imposent une vision humaine sur les animaux. C'est ça. Tu vois. On l'attribue, mais c'est pour ça qu'on arrive à se connecter. C'est dans quelle vidéo il dit... Je crois que j'avais regardé une chronique, les chroniques de Méa, je crois que c'est ça sur YouTube, où c'est un gars qui fait des sortes de making-of de plein de films, enfin il parle du contexte où le film a été réalisé, et j'aime beaucoup ces vidéos, et il parle de ça, du fait que les êtres humains, on arrive à se connecter émotionnellement à n'importe quoi, et c'est pour ça que ça nous fait du mal quand, par exemple, est-ce que c'était lui ? Peut-être je me trompe, mais à un moment donné, il prend un crayon et il dit, voilà, ce crayon s'appelle Ted, et il le casse comme ça, et il y a quelqu'un qui dit, ah non, c'était pas lui. Attends, c'était dans quoi, ce truc-là? Je sais plus, je retrouverai, mais en tout cas, ouais, c'est ça, c'est qu'on pourrait donner un nom à un petit truc, et tout de suite, on va s'accrocher à lui simplement parce qu'il a un nom. Oui, parce qu'il a un nom, ouais. Imaginer qu'il a des émotions. Donc ouais, je sais pas. Ah ouais, c'est intéressant, en tout cas, ouais. Je vais poser une question. Vas-y. Le truc que t'as dit, Stéphane, ouais. Comme tu passes du temps à travailler sur ton film, quand t'es trop fatigué, tu switches sur de la BD, des BD perso. Ouais, mais c'est pour ça que je fais pas beaucoup de BD. Hein. Les BD, depuis ça fait 4 ans que j'ai commencé, j'en ai pas posté tant que ça, quoi. D'accord. Mais t'as pas ce truc où t'es trop dans ta bulle. Enfin, moi, j'ai du mal, en fait. Si je travaille trop sur un projet perso, j'ai besoin d'en sortir un moment pour prendre des distances. Ouais. Avec la façon dont je travaille, enfin, ce que je fais en général, quoi. Mais toi, si tu... T'es constamment sur ta BD, sur ton film, est-ce que t'as pas besoin de voir un peu ailleurs ce qui se passe ou travailler sur C'est pour ça que les BD elles ressemblent pas beaucoup, enfin elles ressemblent un peu au film, mais c'est quand même des trucs que je fais vraiment très très vite, en fait. C'est surtout que le film
Je suis tellement concentré dessus sur le long terme qu'en fait j'ai besoin des fois de faire un truc très rapide et de voir un résultat tout de suite. T'as pas besoin de faire quelque chose de différent en fait, même si ça reste dans ton... Bah si, bien sûr, ouais, aussi je vais aller voir des films, je vais aller boire des verres avec des copains, je vais faire des trucs autres, mais après les BD aussi je sais que je les fais, il y en a quelques-unes que j'ai fait quand j'avais un travail justement et que j'attendais des retours clients et machin, et que du coup j'étais obligé d'être devant un ordi. J'avais pas envie de me remettre sur mon film, et du coup j'avais des heures à tuer, et je faisais plutôt une BD vite fait. Ok. Et c'est parce qu'en fait. Toi, Jonathan, des fois t'es fatigué de ce que tu fais, c'est ça? Là, souvent, ça m'arrange d'avoir des du travail pour ça en fait. Ouais, pour prendre de la distance vis-à-vis de tes projets perso. Ouais. Mmh. Et aussi, c'est un peu maso, mais tu. Je fais monter la frustration, quoi. Ouais, je comprends je ça. Voilà. On est beaucoup à connecter. Je prends pas des tafs d'un mois ou de deux mois, en fait. Enfin, je me limite à quelques semaines, mm-hmm. genre deux semaines, et au bout d'un moment, je me dis, ah putain, ça me manque de pas travailler pour moi, quoi. Ouais. Du coup, ouais, j'ai besoin de cette balance, cet équilibre, quoi, où j'apprends quelque chose de totalement différent, et pendant ce temps, je pense à ce que je pourrais faire pour moi, quoi. Enfin, ouais. Et c'est important d'avoir ces pauses parce que ce que je trouve, c'est que quand tu arrêtes de penser à ton projet, c'est pas pour ça que ton cerveau il arrête de cogiter dessus en fait. Non, ouais. Et pendant que tu bosses sur d'autres trucs, et ben peut-être tu vas avoir une histoire au début et tu vois pas les défauts parce que tu as le nez dedans et tout. Mmh. Tu vas bosser sur un projet, puis tu continues à sur un job de pub ou un job alimentaire, et tu vas continuer quelque part le soir ou en buvant un café ou quoi. Tu continues un petit peu à y penser, et à ce moment-là, tu vas voir des choses dans ton projet. Non seulement quand tu vas y revenir, tu vas avoir un œil plus neuf, donc tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant. Mais en plus, tu auras continué à cogiter et donc à créer des choses, malgré toi, dans ton esprit, qui vont te servir sur ton projet après. Non, c'est clair. Ouais. Moi, je préfère, j'aime bien, enfin, contrairement à toi, Jonathan, moi, je prends des projets relativement longs, mais ça, c'est parce que ça, c'est vraiment au moment où je me sens un peu lâche, en mode. Financièrement, dans le sens où je me dis, ah putain, il faut que je me trouve du travail pour gagner de l'argent parce que mes parents me foutent la pression, ce genre de choses. Et à ce moment-là, je suis partie pour 6 mois en fait. Et pendant ces 6 mois, en fait, quelque part, si je devais par exemple travailler que sur ma BD, il y aura des moments où je me dis, ah, j'ai l'impression, comme tu dis, d'avoir constamment le nez dedans, et j'ai besoin de stimulation en termes de enfin ça peut aller jusqu'au dessin technique et tout, et il y a des moments où je me dis je me relâche beaucoup trop, et j'ai l'impression que ma technique de dessin redescend ou diminue en fait. Et c'est en allant sur des prods où sur des prods d'animation 2D en tant qu'animatrice que là je réapprends en fait à redevenir rigoureuse, parce que j'ai des superviseurs derrière qui me poussent justement à faire mes quotas, ou quand je fais pas bien les choses, par exemple je dessine pas assez bien une main parce que je suis pas assez rigoureuse, ils sont là genre non mais construit, espèce de grosse flemmarde, et à ce moment là je suis là genre quoi, ils te parlent comme ça? Non mais ils pourraient, tu vois, genre et du coup j'ai l'impression que en revenant en fait sur ces prods là pendant, enfin ça peut durer 2 mois comme 6 mois en fait, je réapprends des choses que j'ai oubliées au fur et à mesure en étant seule, en fait. Mais je pense pas que ce soit le cas pour vous, parce que chacun a une exigence différente vis-à-vis de ses propres dessins, quoi. Non, c'est vrai, ouais, moi ça me fait aussi, surtout sur certaines prods, des fois, quand on me pousse techniquement à faire des trucs que j'aurais peut-être pas osé faire avant. Après, quand je suis sur mes projets perso, je vais être là, bon, bah, ok, ça, je peux le faire, je vais y aller. Du coup, je vais y aller. Alors qu'avant, j'aurais pas osé. Voilà. C'est un peu comme les profs de dessin qui... tu dessines toujours avec le même outil, et puis ils vont te forcer à utiliser plein d'outils différents. Non, c'est clair. Tu vas découvrir des trucs que tu n'aurais pas fait parce que ça ne t'intéressait pas de chercher autre chose. Quoi. Et j'aurais une question, parce que vous, ça vous gêne pas du tout de travailler en étant isolé plus ou moins chez vous, quoi, mais ça vous est jamais venu à l'esprit de partager un atelier avec des gens pour une émulsion artistique, tu vois, avec des gens? Bah déjà, est-ce que ça vous gêne de bosser seul? Enfin, est-ce que vous ressentez le manque humain? Non, moi j'adore ça, ouais, c'est trop bien. D'accord.
Les ermites. Mais je l'ai fait un an là quand j'étais à Taïwan avec j'ai partagé un studio avec des animateurs et c'était bien, mais en fait c'était un peu la transition parce que avant j'étais à Londres et du coup je travaillais souvent dans des studios, tu vois, en faisant du freelance. Et je travaillais le week-end ou le soir chez moi. Et du coup, quand je suis parti à Taïwan, je me suis dit, ah, faut absolument que je prenne un studio, partager avec des autres personnes, parce que sinon, ça va être trop dur, machin. Du coup, j'ai fait ça un an. Et après, au bout d'un an, j'ai essayé de travailler tout seul chez moi. J'avais un appart qui était un peu, où j'avais un peu plus de place. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était encore mieux, quoi. Parce que j'avais pas besoin de prendre les transports le matin. Ouais, c'est vrai. Rester en peignoir toute la journée. Non, c'est cool, et aussi ce que j'aimais bien, c'est que voilà, en fait, si tu as envie de voir du monde, bah, tu sors le soir, mais la journée, tu es tranquille, tu fais ce que tu veux. Je pense que je suis plus productif en fait quand je suis seul chez moi. À fond, ouais, je suis d'accord. Durant l'atelier, quoi. Ouais. Je pense que c'est cool d'avoir du monde autour pour l'émulation, l'inspiration et tout ça, mais je pense que je passerais mon. J'aurais envie de parler, quoi. J'aurais envie de. C'est vrai. Je pense que les autres font, quoi. Je pense que j'aurais du mal à me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je suis tellement d'accord avec ça. Moi, c'est ça qui. Enfin, tu sais, on en a parlé dans d'autres podcasts, mais en gros, à McGuff, dans la salle de storyboard, on est 12 en général, enfin, au complet. Bon, des fois, on est moins, mais. Et les gens, ils débattent beaucoup de plein de trucs, et c'est toujours très intéressant, et c'est difficile de ne pas participer. Tu vois, tu as envie de dire ah ouais, ouais, je suis d'accord, ou alors je suis pas d'accord. Et ouais, il y a des jours où c'est difficile de bosser, de te mettre dans ta bulle et vraiment de te concentrer. Et du coup, quand t'es seul chez toi, franchement, t'es hyper focus et puis productif et tout. Donc il y a ces deux trucs-là. Mais d'un autre côté, seul chez toi, je sais pas, donc ça te manque pas. Enfin, moi, je sais que franchement, là, je ressens un peu le manque. J'ai envie de discuter d'animation. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore ce podcast. Du coup, ça nous permet de voir des gens et d'en discuter. Mais ça te manque pas du tout, ça? De discuter animation? Bah, de discuter, d'avoir des échanges dans la journée. Non, pas vraiment. Je peux m'en passer, quoi. Après, j'ai des échanges. Enfin, je discute pas tant que ça animation au final, quoi. Pas tant que ça animation. C'est pas que je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'être dans l'animé, mais pas y être en même temps. Et du coup, je peux avoir des discussions autres. Ouais. Non, mais on a aussi des débats sur autre chose. Donc, ce que je voulais dire, c'était simplement, tu sais, avoir bah, des débats et puis ouais, partager des choses avec des gens humainement. Ah non, mais ça, oui, j'ai une vie sociale quand même. Non, non, je suis pas 24 heures sur. Je passe beaucoup de temps à travailler sur devant mon ordi, mais je vois du monde à côté, hein, genre, carrément. Ouais. Ouais, mais ça, c'est important, ouais. Ouais, non, je pense que je pourrais pas une journée sans sortir, enfin deux, enfin je l'ai fait, on l'a fait pendant le confinement, mais je trouve ça compliqué de rester cloîtré à la maison et de pas sentir ce qui se passe dehors, quoi. Du coup, non, j'ai besoin de voir du monde, mais je peux rester. J'ai appris à rester seul, concentré sur mes trucs pendant un long moment. Je demande, est-ce que vous êtes procrastinateur? Est-ce que vous êtes facilement distrait par des choses? J'ai l'impression d'être un gros travailleur et en même temps un gros flemmard. C'est-à-dire que quand je suis sur un projet qui m'intéresse, un truc que j'ai vraiment envie de faire, je peux passer vraiment beaucoup d'heures à travailler dessus sans les compter. Et quand j'ai rien à faire, quand je me sens pas inspiré, alors là pareil, je peux passer beaucoup d'heures dans mon lit, quoi. Regarder le plafond. Ouais, non, regarder des films. Du coup, ouais, j'ai les deux. J'ai l'impression d'être un peu les deux, quoi. Gros bosseur et gros flemmard en même temps. Et est-ce que vous... Enfin, Stéphane, t'as pas répondu à la question, mais est-ce que vous culpabilisez au moment où vous faites ça, ou est-ce que vous pensez que ça fait vraiment partie du game, en fait? Tu poses la question parce que t'as envie de savoir si t'es toute seule à quelque part. Dites-moi que je suis pas toute seule. J'ai l'impression d'avoir trouvé un bon compromis. En fait, moi, les seuls moments
En fait, je regarde des vidéos en travaillant. Et j'écoute des vidéos surtout. J'écoute beaucoup, en fait, de plus que je ne regarde, quoi. Ouais, je regarde pas de série, en fait, par exemple. Jamais? Presque jamais. Tiens, moi aussi. Ouais. Et même des films, j'en regarde très peu. En fait, presque tout mon temps devant un ordi, c'est pour travailler. Waouh! Trop fort! Presque. Hein. Non, sinon, je regarde quand même beaucoup Instagram sur mon téléphone. Mais c'est plus, ouais, c'est plus quand je prends les transports ou ces trucs-là, mais que la journée, j'arrive à me concentrer en fait. Mais si j'étais pas en train d'écouter la radio ou d'écouter des trucs, par contre, j'arriverais pas du tout à me concentrer en fait. Ah. Je fais les deux en même temps, tu vois. Et du coup, ta balance pour ne pas culpabiliser, c'est de travailler tout le temps. C'est pas forcément une balance. Ouais, mais en fait, ça me manque pas parce que ça m'intéresse pas trop en fait. Voilà. J'ai l'impression que c'est une perte de temps en fait. Si je suis devant une série Netflix ou un truc, au bout d'un ou deux épisodes, il y en a très très peu en fait qui arrivent à m'intéresser en fait. D'accord. La plupart du temps, je m'ennuie en fait. J'ai juste envie de retourner bosser. Du coup, parfois, vous n'avez pas mis des heures en fait quand vous faites rien, quand vous travaillez pas. Bah ouais. Non, parce que c'est dur de rien faire quand même. Moi, si j'arrive à vraiment rien faire, je suis content. Non, je veux dire, ne pas travailler, en fait. Parce pas travailler, ouais. Comme Nolan, elle a dit, même si tu regardes une série ou un film, ton cerveau, il fonctionne toujours, en fait. Tu penses toujours à ce que tu vas produire. Ouais, ouais. Ah. Bah ouais, c'est, en fait, ça aide hein, de prendre des pauses. Mais ouais, moi, je me dis ça quand, pour faire des siestes. Parce que je me dis, en fait, je sais que je ne fais pas, du bon travail quand je suis fatiguée. Alors, je suis mes siestes... par ça, et je me dis toujours, bon, si je reste comme ça, juste à être somnambule là, sur mon travail, sur ma tablette, je vais faire de la merde, et après, je vais me sentir coupable d'avoir fait de la merde. Alors bon, je vais faire une sieste d'une demi-heure, et après, ça va toujours mieux à tous les coups, quoi. Ouais, moi aussi, je fais des siestes. Ça c'est chambé, ouais. Ah ouais. Mais ça, je trouve que c'est pas une perte de temps, quoi. Sérieux, voilà, c'est ça. Comme tu dis, c'est, tu reprends de jus, quoi. Ouais. Moi, j'ai souvent la tête complètement explosée après une sieste. Hein. Enfin, je pense que j'ai dû faire 10 siestes dans ma vie, quoi. Et à chaque fois, je... Hein? T'as fait des siestes trop longues, c'est pour ça. Tu veux dire que je suis qu'une amatrice de la sieste? Je sais pas. Non, parce qu'il y a une manière de faire la sieste. C'est-à-dire que quand tu dors, en fait, il me semble que c'est dans la première heure, t'es pas encore en sommeil profond, du coup. Si tu te réveilles avant la fin de la première heure, donc environ une demi-heure, c'est bien. Petit cours sur les siestes. Et ben c'est bien, mais si tu dors environ une heure ou plus d'une heure, ouais, tu vas te réveiller comme en plein milieu de la nuit et tu vas avoir genre le tournis et tout. Ah, parce que ça, ça m'a mis pâle pendant toute la journée. Hein. Quand on m'avait dit, mais prends une sieste, Sandrine, parce que j'étais insomniaque pendant un certain temps, quoi. J'ai fait une sieste de 2 heures et quand je me suis réveillée, j'avais envie de vomir pendant toute la journée. Ça dépend. Essaie de faire des siestes plus courtes, tu mets des réveils ou des choses comme ça. Et ça dépend du moment de la journée aussi, je pense. En fait, là, il y a un truc aussi, c'est. Je veux dire. Ouais, pour moi, ça n'a rien à voir, se reposer. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je fais des journées, en tout cas, surtout en ce qui concerne le travail, tu vois. Je fais des journées de 8 heures, quoi. Je fais des journées normales. Et je me repose le soir, si j'ai envie de regarder un film ou quoi, je vais pas culpabiliser à ce moment-là. Si, par contre, si c'est la journée et que j'ai envie de faire mon film, je vais faire mon film plutôt que de regarder une série, quoi. Ouais. Quand tu bosses sur des projets... des projets alimentaires, donc de l'animation par exemple. Ouais. Est-ce que tu passes jamais un petit peu de temps sur ton film? Ça dépend en fait. Si c'est un travail où je suis payé à la journée, tu vois, comme de l'animation, par respect quand même pour la personne qui m'embauche, je travaille la journée complète, quoi. Par contre, si c'est un travail où je suis payé, tu vois, comme une illustration, là c'est moi qui m'organise comme j'ai envie. Si j'ai une deadline dans un mois, je m'organise mon temps comme je veux. Si j'ai envie de travailler sur mon film, que je sais que j'ai du temps encore pour faire l'illustration, je vais pas me gêner, quoi. J'aurais une question à chacun de vous. C'est quoi vos journées typiques? C'est intéressant, ça.
Racontez-nous un peu à quelle heure vous vous réveillez, ensuite faites quoi. La journée typique du freelancer. Allez, Jonathan, vas-y, dis-nous. Alors, on parlait des siestes. Je sens que ça va être intéressant. La sieste du matin, du midi et du... C'est ça le truc, en fait, c'est que souvent, j'en fais le matin, en fait. Je me réveille très tôt, genre à 4-5 heures. Wow. Ah ouais, très tôt, ouais. Mais je travaille pas, hein. Je suis juste réveillé, mais... Tu me réveilles ou tu te réveilles tout seul? Non, je me réveille tout seul, automatiquement. Voilà. Et je vais pas sur mon bureau faire quoi que ce soit, quoi. Et du coup, je regarde des vidéos ou je dessine un peu moi. Et la plupart du temps, je commence à travailler vers 10 heures. Donc souvent, après une heure de travail, je vais faire une sieste le matin. Mm-hmm. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et genre vers 11h, je reviens sur mon bureau et je travaille jusqu'à... Ça peut aller jusqu'à 21h, 22h, quoi. Mais je dépasse pas... J'essaye de pas aller trop loin, quoi. Je fais jamais du... une heure du matin. Nuit ou sur l'ordinateur. Ouais. Mais genre, tu après ta sieste du matin, tu travailles juste, mais t'as pas genre des activités, genre faire du sport ou... Ah si, après, bon, on est en période de lockdown, du coup, je fais du vélo à la maison, j'ai le vélo d'appartement. Mais normalement, souvent je sors, souvent je vais au cinéma ou... Mais à une certaine époque, j'allais peindre aussi dehors. Mais non, je fais une pause où je mange. Et parfois, je fais une pause où je regarde une série ou un film. Et puis, ouais, travail, quoi, le reste du temps. Quoi. Ça dépend. Ça dépend des jours. C'est jamais vraiment le même. Ah ouais, t'as pas une routine, en fait, journalière. Bah après, il y a un truc aussi, c'est que les contrats, enfin, le travail que je prends est souvent différent. Par exemple, si je travaille sur de l'anime et une illustration en même temps, dans la journée, ma sieste, enfin, je l'utilise pour faire la transition, en fait. Genre pour, pas reformater, mais comme si j'éteignais mon ordinateur et je switchais sur une... Une nouvelle journée. Ah, mais trop bien ça! Faudrait que je teste ça. Parce que te lever à 4h? Non! C'est vraiment des états d'esprit, enfin des mentalités différentes, la façon dont t'abordes une animation ou une illustration, quoi. Mm-hmm. La sieste, ça permet vraiment de rebooter, de switcher. Donc du coup, c'est pour ça que ça diffère d'un jour à l'autre, en fait. Si j'ai de l'animation à faire, si j'ai du design ou juste des illustrations, ce sera forcément différent. Mais j'ai pas de « Ah, à telle heure, faut que je fasse une sieste », quoi. C'est juste si je suis fatigué ou si j'ai besoin de changer. De m'adapter à... mon emploi du temps. Et du coup, Stéphane, parce que on va passer au planning de Nolwenn et ça va être pas mal. Vas-y, ouais. Stéphane. Moi, je pense que c'est pas si différent que ça d'une journée de quelqu'un qui bosse dans un bureau normal, quoi. Sauf que je vais pas au bureau. Et à part que quand j'étais à Taïwan, je viens de revenir, là, ça fait quelques semaines. J'allais en cours de chinois le matin et après, je commençais ma journée, quoi. D'accord, donc t'avais cet élément-là qui revenait tous les jours, c'était le cours de chinois. Ouais, et ça c'était cool aussi parce que ça me faisait ma petite, mes 2 heures de voir du monde. Ouais. J'étais avec mes camarades de classe, quoi. Et ça me faisait mon petit trajet aussi, du coup je rentrais de l'école à pied. Ensuite je faisais ma journée de travail et le soir, des fois j'allais faire du sport, comme tout le monde, quoi. Ouais. Et des fois aussi, je faisais des pauses le midi, donc où je me faisais quand même à bouffer. Je prenais le temps de faire à manger et après peut-être une petite sieste. Et quitte à travailler un petit peu plus tard le soir. Là, tu travaillerais jusqu'à quelle heure justement le soir? Ça dépend en fait. Si c'est vraiment, tu vois, si c'est vraiment un travail, comme je disais, payé à la journée, j'essaie de faire 8 heures dans la journée. Mmh. Et une fois que c'est fait, j'arrête. Mais comme je fais des journées à peu près normales, en général, c'est au plus tard, ça va être à 20h le soir. 20h le soir, ok. Ouais, j'aime pas travailler après 20h le soir, j'arrive plus à dormir après. Exactement. Non, c'est pareil pour moi. Mais il y a des moments où, pour ajouter que, par exemple, quand j'estime que dans la journée, je n'ai pas été productive, par moment, par culpabilité,
je vais me mettre à mon bureau et malheureusement, l'inspiration vient à partir de 22h du soir. Et ça peut aller jusqu'à 2h du mat ou plus tard encore. Et c'est comme ça que je me fais des insomnies de ouf, quoi. Sur des projets perso, ça par contre, je le fais assez souvent. Enfin, assez souvent, ça m'arrive aussi de faire ça. Ouais. Mm. Par contre, sur des boulots, jamais de la vie, quoi. Ah non, jamais. Ouais, ouais. Oh, c'est vrai. Mais ça se comprend trop parce que sur les projets perso, ben, tu décides pas forcément quand tu vas être motivé. Et donc, quand tu sens la petite flamme, tu vois, de ah, j'ai trop envie de faire un truc, je pense qu'il faut chérir ces moments-là. Parce qu'il y a des moments où t'as pas envie et donc tu vas pas le faire. Mais les moments où t'as envie, il faut vraiment les prendre. Ouais. Et surtout si t'es au chômage à ce moment-là ou tu sais que le lendemain matin, tu vas pas avoir à te lever à telle heure, si t'as envie de bosser, je pense que c'est bien d'y aller, quoi. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que... Enfin, je pense qu'il faut savoir s'arrêter dans le sens où, même si t'as envie, savoir que le lendemain, avec plus d'énergie, tu pourrais faire mieux. Ouais. Il y a une époque où je m'arrêtais vraiment pas et malgré le fait que je sois fatigué, il y avait toujours cette pêche et j'ai appris à me dire que ok, si je dors demain, ça va mieux. Voilà. C'est bien, ouais. Mais moi, je suis plutôt dans ce genre aussi. C'est-à-dire que même en période de chômage et sur des projets perso, je me donne vraiment une limite et à partir de 22h, j'arrête tout. Je fais d'autres trucs, mais pas du dessin ou alors. Par exemple, j'aime bien réfléchir à des scénarios si j'ai des projets avec des copains et tout. Mais sinon, non, j'arrête complètement parce que sinon je dors pas bien, c'est clair. Mmh. Et effectivement, après une bonne nuit de sommeil, t'as de l'énergie, quoi. T'as complètement de l'énergie, ouais. Je pense que ouais. En tout cas, dormir c'est vachement important. Hein. Moi, je sais plus. C'est pas dormir, vrai. C'est trop bien. Dormez les gens. Dormez. Quand vous arrivez à trouver le sommeil. Et le sport. Et le sport, ouais. T'as découvert le sport. Et toi, du coup, Sandrine, ta journée? Ouais, ma journée. comment dire Acceptes-tu de. Il y a. Cette information. Il y a. Non, mais je pensais passer à ton planning à toi, parce que j'ai l'impression que t'as plus un planning plus concret. Mais moi, typiquement. Pendant mes 7 mois de chômage, j'ai commencé un petit peu à me réveiller à 9h, puis ensuite ça finit à 10h, 11h, midi. Et à ce moment-là, j'ai demandé à ma mère de me réveiller quand même à 9h. Genre, maman, s'il te plaît, réveille-moi à 9h. Ça marche pas, hein. Du coup, je me réveille plutôt à 11h. Mais en général, je flingue plus ou moins mon matin et ensuite je me pose en fait face à mon ordi. J'essaie de travailler sur mon projet, sauf qu'il y a des moments où j'y arrive pas. Enfin, quand je parlais de distraction totale, c'est que ça peut arriver que par exemple, quand je vais sur YouTube très, très souvent, en fait, je me dis bah tiens, je vais écouter une radio et, et malheureusement, je me retrouve dans la spirale infernale de YouTube, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain point, je me retrouve quand même à encore une fois regarder des vidéos de chiens et il est genre 18h et je suis là genre mais qu'est-ce qui se passe et je me dis non mais c'est pas grave, je ferai mieux demain et demain c'est la même chose, demain c'est encore la même chose encore. Et il y a des moments où par exemple, je crois que c'était mes éditeurs qui m'ont dit ah, ce serait bien que tu fasses des résumés de tes tomes pour ta BD et tout. J'ai fait ok, y a pas de souci. Le problème c'est que à l'écriture et le dessin c'est pas vraiment la même chose parce que l'écriture il faut quand même que tu crées en fait et ça use beaucoup de ton cerveau. Donc souvent je passe vraiment mon temps à grignoter en espérant que les idées viennent. Mais aussi y a des moments où enfin c'est vraiment ouf, mais je me retrouve à soit à faire la cuisine, soit à apprendre une chorégraphie, mais pas du tout à écrire, pour mon histoire. Bon, au bout d'un moment, j'ai fini par y arriver, mais non, mais c'est souvent ça, et c'est pour ça qu'il y a des moments où, quand je me dis putain, j'ai la frustration parce que de toute la journée, j'ai rien fait, que je commence à dessiner à partir de 22h, que le flow arrive, et je me dis ah ouais, c'est génial, c'est comme de l'adrénaline en fait, t'as vraiment l'impression d'être sous drogue, et ça fait du bien. Et, mais au bout d'un moment, le lendemain, tu t'en prends plein la gueule, quoi. C'est parce que tu dors pas assez bien.
et tu te réveilles trop tard, et voilà quoi. En tout cas, mais maintenant je m'équilibre, j'ai pris du freelance donc ça va. En animation, je pouvais pas trop faire la folle parce que le studio avec qui je bosse, en fait, on a installé des méthodes pour que ils aient au moins un œil sur leurs employés, quoi, même à distance. Et là, je reprends un rythme plus ou moins normal, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est hyper stressant, je trouve, le truc de se sentir surveillé. Non, c'est clair. Moi, ça m'a... Après, c'est pas quelque chose que je recommande à tous, hein, mais en tout cas, ça a fait du bien pour moi, visiblement, quoi. Mais... besoin d'avoir un cadre, en fait, pour pouvoir être productive. Moi, c'est... Vas-y, Nolwenn. J'essaie d'être elfie et tout. Et en général, quand j'étais en studio à MacGuff, j'avais, je pense, la vie d'une employée assez normale, en mode je me lève le matin, je vais au studio, je prends le petit-déj au studio depuis que les céréales sont gratuites. Et puis, on travaille, on mange le midi, on sort, et puis le soir, tu vois des potes. Et en fait, c'est vrai que ça a complètement changé depuis que je me suis mise en freelance et donc en télétravail. Parce que du coup, en général, je me lève vers 9h30, 9h40, je commence à bosser à 10h sans prendre mon petit déj. Surtout que là, en ce moment, ça fait quelques mois que j'ai complètement décalé mes repas. Je faisais un jeûne intermittent jusque-là, puis là, j'ai commencé du coup à prendre mon petit déj à 12h30, à manger mon repas du midi à 14h30, et à 18h30, je prends le repas du soir. Donc tout est réduit dans l'espace de 6 heures. Ce qui fait que ça, quand même, ça module ma journée, en fait, ça. Et donc je me mets à travailler de 10 heures jusqu'à midi. Et puis vers midi, je fais le petit-déj, je mange. Et à midi, je vais courir, environ entre 20 et 30 minutes en général. Je reviens, je fais le petit-déj, je mange et je reprends le taf vers 13h30. Ensuite, à 14h... Moi, je suis hyper carré. Ouais, c'est ça, limite des réveils, quoi. Et je commence à avoir un peu faim vers 14h30, donc je fais à manger. Ensuite, je me remets à travailler jusqu'à 19h30, voire 20h, si par exemple j'ai pris trop de temps dans une pause. Et en ce moment, je fais pas de sieste. J'en faisais beaucoup avant, quand je bossais sur mon court-métrage. Mais je pense que j'utilisais tellement plus j'avais beaucoup plus de choses à réfléchir, donc j'avais besoin de plus de sommeil, je pense. Et là, pour le coup, je faisais des siestes quasiment tous les jours, mais des toutes petites siestes, du style 15 minutes, 20 minutes. Limite, je ne m'endormais pas, mais c'était juste une pause où je me reposais, quoi. Et puis, je bosse jusque-là. Puis c'est vrai qu'en ce moment, moi, ça me manque trop. Alors vous êtes dans la région parisienne ou pas, pour certains, mais quand j'étais en freelance sur Paris, je sortais beaucoup, je voyais des copains, j'allais au cinéma et tout. Et maintenant que je suis à la campagne, donc en Bourgogne, en fait, beaucoup de mes potes sont encore à Paris et ça me manque trop, en fait. Le côté sortir, voir des gens, même manger à midi avec les collègues ou quoi, ça, c'est vraiment un manque pour moi, c'est difficile. Et du coup, le soir, en général, comme mes parents, ils habitent pas loin, je vais les voir, je vais voir le chien, je fais une promenade, ce genre de trucs, mais ouais, c'est... Ça me manque quand même le côté social. Voilà. Non, c'est clair. Moi, je suis en banlieue. Et le truc, c'est que je peux voir des potes, mais comme le RER A s'arrête à un certain moment dans la nuit, je peux pas non plus trop faire la folle. Et il faut rentrer tôt, quoi. Ouais, moi c'est ça, que c'est le truc qui me fait peur d'aller si je devais aller vivre à la campagne, c'est ça, quoi. Parce qu'en ville, c'est quand même très facile d'aller retrouver des potes, quoi. Ah, c'est clair. Ici, c'est... J'ai des potes qui sont en ville à Sens, là, comme j'avais dit. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas forcément sur un coup de tête ou après le boulot, tu vas au bar pour boire un coup ou un truc comme ça. Et en général, du coup, comme je disais, à 22h, j'arrête ma journée active, on va dire. Dès que je vois qu'il est 22h, je dis « Ok, je fais mon rituel du soir ». Et là, en général, ça commence par la vaisselle. Ensuite, tous les trucs genre brossage de dents et je mets une petite vidéo YouTube en fond. Et je commence à faire des étirements et de la méditation. Donc j'arrête la vidéo, je mets de la petite musique
cool, et je fais la méditation. Et en fait, tout mon système de mise en route pour aller au lit, ça prend environ 1h30. Du coup, je suis au lit vers 23h30, minuit. Et là, j'essaie de dormir. Mais ça, en ce moment, en tout cas, j'ai des problèmes vraiment comme toi, Sandrine. Je ne m'endors pas avant 3h du mat, donc c'est là que c'est un peu difficile. Mais j'espère que ça va revenir avec le boulot que j'ai pris là. Ah, ça. Justement, est-ce que vous deux, Jonathan et Stéphane, vous avez des troubles du sommeil, puisque vu que ça travaille un peu la créativité, tout ça, je sais pas. Ouais. Je me réveille souvent vers 3h du mat. après, je me rendors. Jusqu'à 4h. Jusqu'à 4h. Et après, il se lève. C'était une sieste, en fait. Mais ouais, j'ai l'impression que mes nuits, c'est deux grosses siestes, quoi. Et tu te sens quand même bien, t'es reposé, ou c'est, tu le ressens dans ta journée? Ouais, je pense que souvent la sieste que je prends dans la journée, c'est ce qui comble mon manque de sommeil, quoi. D'accord. Ah, mais c'est pour ça, du coup, les siestes. Et c'est un truc que je peux pas couper, enfin, ça m'arrive, et je sais pas quoi. Je sais pas s'il y a une solution ou. Moi, en fait, vas-y. Non, vas-y. Ah, parce que j'ai une solution, j'ai vraiment une solution, et en vérité, c'est pas... En fait, le truc, c'est qu'il faut s'éloigner de l'écran pendant un certain temps. Et toutes les fois où j'allais en voyage, que ce soit au Japon ou même au festival d'Angoulême, en fait, bah, à ce moment-là, je commençais à avoir un cycle de sommeil vraiment normal, genre à partir de 21h, comme une mémé, je tombais, genre je dormais, quoi. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu fasses un gros voyage. Ouais, c'est prévu. Ah, c'est vrai? Ah ouais? Ouais, ouais. Grosse vacances. Wow. Ah ouais? J'arrête de bosser jusqu'à 2023, là. What? Non. Ah non, il va faire un gros dodo. Jusqu'à 2023. Non, mais ouais, je vais voyager un peu plus quand le déconfinement sera complet. Yes. Ouais, c'est chiant, hein, ce truc. Et toi, t'as des problèmes d'insomnie, Stéphane? Non. Non, tout va bien. Ok, on est content de le savoir. J'avais une question pour Sandrine. Ouais, vas-y. Si tu n'avais pas ton projet perso pendant ton chômage, pendant tes 7 mois de chômage, est-ce que tu culpabiliserais de ne rien faire pendant ce temps-là? Oh, bah, mais grave, ouais. Ah, mais je pense que j'aurais même pas attendu 7 mois d'être au chômage. Je pense que dès le mois suivant, je serais déjà à la recherche d'un travail. Ok. Ouais, clairement. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais socialement, alors déjà, j'ai quand même de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent dans mon projet de BD, parce qu'en plus, on sait tous l'image que renvoient justement les artistes en BD dans la société. C'est genre, ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai de la chance d'avoir ma mère, surtout ma mère en fait, mon père, je crois qu'il sait toujours pas ce que je fais. Mais c'est pas grave. Et ma mère qui me dit ouais, c'est génial, vas-y, tu vas voir des éditeurs, c'est cool et tout. Mais quelque part aussi, c'est que ils comprennent à la fois, mais ça n'empêche que par moments, elle m'envoie des pics en mode bon, alors quand est-ce que tu vas trouver un travail en animation et tout. Et au bout d'un moment, tu peux pas vivre sans, en fait. T'as constamment une piqûre de rappel par rapport à ta situation. Il y a beaucoup de passion, ouais. Mais c'est marrant, ouais. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, donc quand j'ai commencé à faire mon film, j'étais à Londres. Et j'ai travaillé sur mon film en étant à Londres pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de partir à Taïwan. Mmh. Et j'ai l'impression qu'une des raisons, c'était de sortir un peu justement du cercle sortir de Londres, parce que à Londres, tous mes potes travaillent dans le milieu de l'animation, et en fait tu te sens super mal dès que tu travailles pas, en fait. Parce que t'es entouré de gens qui parlent de leurs projets professionnels, de comme ils sont occupés, machin, et en fait c'est un petit peu, entre guillemets, c'est un peu la honte même si tu travailles sur un projet perso, de pas travailler. Alors qu'en étant à Taïwan, en fait, comme je ne fréquentais pas ce milieu de gens qui font de l'animation, qui sont tout le temps occupés, je ressentais beaucoup moins, j'étais beaucoup moins gêné, quoi, en fait. Mais du coup, je serais extrêmement curieuse d'avoir justement de connaître ton expérience à Taïwan, parce que la mentalité des gens est différente.
Comment est-ce que, quelle est justement leur vision d'animation, de l'illustration? Je sais que le graphisme là-bas est vachement poussé en fait. Les Taïwanais sont extrêmement doués en graphisme, je trouve en tout cas. Ouais, c'est vrai, ouais. En graphisme, en design graphique, ils sont bons. Ouais. Surtout pour ce qui est pochette de CD, affiches et livres, ils sont très bons. En fait, moi, j'ai fréquenté un peu des gens qui faisaient de l'animation là-bas, donc ils ont des horaires de malade, ils travaillent jusqu'à super tard le soir. Ils travaillent beaucoup, quoi. Après, par contre, j'ai pas mal de potes qui sont donc pas dans l'animation, mais qui sont photographes ou qui travaillent dans la mode. Il y a un son bizarre là, c'est moi, non? Je sais pas, peut-être. Et en fait, j'ai l'impression que là-bas, il y a beaucoup de projets qui sont un peu sur le entre professionnels et amateurs. Enfin, il y a une espèce de, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler sur des trucs un peu gratuitement. Parce que ça les éclate ou parce qu'ils vont aider leurs potes. Et il y a pas mal de trucs aussi de BD et de gens qui font des fanzines et qui font des trucs qu'ils publient eux-mêmes. Il y a une espèce d'enthousiasme comme ça, tu vois, autour de certains trucs qui n'est pas en fait. Je pense, j'ai l'impression que par rapport en tout cas à Londres, il y a moins de. Il y a moins, tu vas moins chercher une espèce de prestige à être payé en fait. Enfin, à être un professionnel, à faire partie, à avoir un agent ou je sais pas quoi. Ça, c'est intéressant de voir que selon je les fais différentes peut-être des cultures. Généralités, hein. Je sais pas, peut-être que je. Non, mais c'est ce que tu as ressenti. Je parle d'après les copains que j'ai là-bas, quoi. D'accord. Mais c'est intéressant de voir que comment sont perçus les graphistes, illustrateurs indépendants, que ce soit en France, en Angleterre, Taïwan. Ouais, après je dis, tu vois, en fait, ce que je dis, c'est, tu vois, les gens que je connais qui font de l'animation, donc eux, ils étaient vraiment, ils bossaient comme des malades, mais ils étaient professionnels. Après, j'ai d'autres potes, donc les potes qui font des fanzines et tout, c'est des gens qui doivent exister aussi en France, en fait, mais juste, je traîne pas avec eux en France, tu vois. Je pense, si tu vas, comme tu disais, Sandrine, au Festival d'Angoulême, où t'as des pavillons de mecs qui font des fanzines, ça existe aussi, quoi. Mmh, après, c'est par contre, c'est juste à Taïwan, j'ai rencontré un peu cette faune, mais pas en France, je les connais pas, quoi. Bah, ça va pas tarder, hein. Et par rapport au sujet, est-ce que vous trouvez que le boulot de freelance, enfin en tout cas le statut de freelance, ça vous donne une liberté que vous cherchiez, justement? Ouais. Ouais. Avec un gros. Ouais. Non, c'est cool. Ouais. Bah surtout en travaillant un peu moins, tu vois, on peut passer plus de temps sur des projets perso. Ça va. Tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça me convient en fait. J'ai l'impression que j'ai assez de temps pour moi par rapport à ce que je recherche pour travailler sur mon film et tout. Ouais. D'accord. Ouais, je me sens plus libre, moi, carrément. En fait, je pensais à ma dernière expérience en studio. Et je me souviens qu'un jour, je voulais aller à la poste, en fait. Et tu dois penser à y aller après le travail ou pendant le week-end, tu vois. Rien que ça, rien qu'une connerie comme ça, en fait, c'est un truc qui me. Ouais, c'est vraiment très chiant. Vraiment, quoi. Et du coup, non, je sens qu'il y a vraiment plus de liberté en freelance. Tu peux gérer ton temps. Ouais. Ouais, moi, le truc qui m'insupportait aussi à aller travailler en studio, enfin, ça m'arrive encore de le faire de temps en temps, mais des fois, tu as l'impression vraiment que les gens prennent pour un bébé, elles te surveillent, en fait, elles sont là, ah, pourquoi t'es pas à l'heure, t'as 15 minutes de retard, machin, enfin. Ça, en fait, c'est hyper stressant, je trouve, ce truc-là. Ouais, parce que ce dont t'as parlé, Sandrine, là, le fait de travailler en studio, qui check, en fait, ce que tu fais constamment, quoi, ça, je pourrais pas avoir un réel derrière ou je sais pas quoi. Qui regarde ce que je fais et qui attend de moi que je donne mon énergie et mon temps juste à un projet pendant toute une journée, je trouve ça vraiment difficile. Ouais, non, le freelance, c'est ce qui me correspond le mieux. Et justement, Jonathan, de ton expérience au Gobelin, tu nous avais raconté hors podcast que justement, dans l'ambiance de l'école, en fait, les professeurs. N'encourageait pas tant que ça les élèves justement à faire du freelance parce que, enfin, je sais pas si c'était les professeurs ou si c'était même au sein même des élèves en fait,
Et que justement à ce moment-là, t'étais un peu, tu pensais qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de travailler dans un studio, du coup. Mais justement, quel serait ton message aujourd'hui? Enfin, s'il y a des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais justement par rapport au statut de freelance ou... Je pense que ce n'est pas leur ligne directrice au Gobelin de dire ouais, il ne faut pas faire du freelance. Je pense que inconsciemment, tu vois des gens dans l'industrie au Gobelin qui sont la plupart du temps affiliés à des studios ou. De ma promotion, enfin de l'expérience que j'en ai eue, quoi. C'était de freelance, enfin des gens qui travaillaient plus ou moins à la maison, j'en ai vu rarement en fait. Donc, du coup, l'image que j'avais de quelqu'un qui travaille dans l'édition, après mon diplôme, c'est tu vas en studio et puis tu fais tes heures et puis tes projets perso, bah, tu te bats pour les faire à côté du travail, quoi. C'est l'image que j'avais. C'est pas beaucoup bien. Je Et comment pense tu t'es que. comment t'as connu en fait le métier de freelance? Je veux dire, avant de le faire, c'est on t'a proposé un contrat de freelance ou t'as rencontré des gens qui faisaient du freelance? J'ai fait du freelance, j'ai commencé le freelance parce que j'ai jamais été intermittent en fait. Je pense que j'ai fait du freelance En fait, le truc, c'est qu'en première année, déjà, je travaillais un peu à côté de l'école. Et du coup, je pense que je l'ai connu comme ça, enfin, la première expérience, je pense que c'était comme ça, voilà. D'accord. Avec les contacts que j'ai eus pendant mon stage, Ah oui. j'ai commencé à travailler pour des boîtes, quoi. Mais le statut de freelance, je l'ai eu à Londres, puisque j'ai à travailler avec Stéphane à Londres. C'est là-bas que j'ai vraiment développé ce truc de freelance, quoi. D'accord. J'ai l'impression que c'est le cœur du freelance, c'est Freelance Land, Londres, enfin. En fait, tu n'as pas de choix là-bas, c'est Ouais, il n'y toujours a pas de choix. l'invitation qui En te fait. fait, tu pourrais être enfin, tu pourrais travailler en Ah CDI, oui, c'est vrai ouais, aussi, genre, mais faut le vouloir, quoi. J'ai testé, Ah ouais, c'est vrai, bon. et j'ai tenu 4 mois. Au bout de 4 mois, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et voilà. C'est bien, au moins tu sais qu'en statut de travailleur, c'est un peu. Enfin, on a l'impression que c'est plus stable et que c'est plus safe, on va dire, que le freelance. Enfin, moi, je sais que j'ai l'impression qu'il faut avoir un peu de courage quand même pour se lancer dans le freelance. Et parce que simplement, quand tu connais pas, tu peux te dire, oh là là, des revenus si instables, mais comment je vais faire pour m'assurer dans la vie après, même pour ceux qui veulent par exemple avoir une famille, nourrir des enfants, acheter une maison, tout ça. Je sais que c'est compliqué. Et du coup, il faut quand même franchir le pas quoi, pour devenir freelance. Enfin, je trouve. Je pense qu'il y a des choix personnels que tu dois faire en fait. Il faut juste réévaluer tes priorités. Moi, personnellement, ma santé mentale, ça passait avant Voilà, t'as avant trouvé. la sécurité financière, quoi. Ou à travailler pour une boîte, même si j'étais super bien payé, je pouvais pas rester, je pourrais pas rester, quoi. Et du coup, ouais, non, là, c'est vrai que freelance, t'es jamais vraiment sûr de quand tu vas travailler. Combien tu vas toucher par mois, mais au moins t'as cette liberté et enfin tu vis moins, enfin moi je vis moins stressé que comme si j'étais Et puis s'il y avait un message quand même à dire aux gens qui osent pas trop y aller, ce dans le serait freelance. bah ouais, dans le freelance. Je pense qu'il faut tester C'est un peu tout, quoi, pour se trouver faut tester, faut pas avoir peur. tester, pas avoir peur. Mais c'est ça, c'est que on se dit, mais comment vous faites? Enfin, moi j'avais cette impression-là de t'as des freelances quand ils n'ont pas de contrat, comment ils font? Est-ce qu'ils retournent chez leurs parents ou est-ce qu'ils finissent dans la rue? Bah, c'était mon idée d'étudiante, tu vois. Alors que depuis que j'en fais, non, vraiment, il y a des contrats qui viennent, et ouais, il y a des moments qui sont plus difficiles, mais ça balance quand même avec les moments où tu taffes, quoi. Ouais, et On puis s'en sort quand même. il y a un autre truc aussi, c'est que faut pas rester passif non plus, quoi. Faut vraiment aller chercher les Démarcher. tables, C'est envoyer un des peu une mails. question aussi de chance, hein, je pense. Aussi. Ouais. Parce que par exemple, moi, j'ai jamais vraiment eu d'opportunité, entre guillemets, de ne pas être freelance. Pas jamais proposé un boulot permanent, en fait. Si c'est arrivé une fois, mais en fait, le truc a l'air tellement déprimant que. Puis c'était pas bien payé, tu vois. J'ai dit, bah non, en fait. Puis le truc qui est arrivé ensuite, c'était une mission courte. Parce qu'en fait, en Angleterre, si tu as des missions courtes,
il n'y a pas de statut d'intermittent, ça n'existe pas là-bas. Donc automatiquement, tu deviens freelance. En fait. Si tu acceptes de bosser un mois ou deux dans une boîte, ils vont pas, en général, ils ne vont pas te faire un contrat pour t'embaucher. Donc c'est comme ça. En fait, moi, j'étais freelance à Londres parce que c'est comme ça que le système fonctionne là-bas. Mais ça ne voulait pas dire que je travaillais à domicile ou à distance non plus. Tu vois. J'étais pendant plusieurs années à Londres, en fait, j'étais considéré comme freelance. Mais on me demandait quand même d'aller au studio pour travailler tous les jours. Quoi. Ouais. Et après, c'est aussi comme ça que maintenant, moi, je travaille beaucoup à distance. C'est parce que, en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme ça et que j'ai connu des gens dans les compagnies. Et que maintenant, ils me connaissent et quand ils ont besoin d'un freelance, ils m'appellent. Et même si je ne suis pas sur place, comme ils me connaissent, ça se passe bien. Quoi. C'est vrai que c'est marrant. Vas-y. Ah non, je disais que. Enfin, je réaffirme que oui, effectivement, à partir du moment où tu as eu un pied en fait, dans un studio et que les gens te connaissent, au bout d'un moment, ils finissent par te faire confiance. Quoi. Ouais. Je trouve ça marrant. Non, pardon, allez-y. juste un interlude. Je voulais juste dire que moi j'avais cette impression que quand j'étais étudiante, on cherchait à avoir une sorte de stabilité. Enfin, c'était vraiment cette idée de trouver un boulot. Bon, c'est de l'intermittence, mais trouve un boulot, la stabilité financière et que les gens reconnaissent tout ce que tu fais. Et puis là, 10 ans après, j'ai l'impression que c'est l'inverse et que on est tous en train de demander. Un contrat, pas plus de 3 mois. Pas plus de 3 mois. Genre, non, mais c'est la goutte, goutte d'eau qui fait déverser le vase. Au bout d'un moment, tu n'en peux plus, quoi. T'es là, genre, non. Ouais, c'est ça. Mais on est tous là à chercher des petits contrats. Et moi, pareil, j'essaie de négocier des fois des 3 mois. C'est le minimum 3 mois. Souvent, en storyboard, en tout cas, ils ne veulent pas que ce soit moins. Et quand c'est 6 mois, ça passe. Mais au-delà, en général, je commence vraiment à péter un câble. Et voilà, à vouloir faire des projets perso aussi. Ouais, non, voilà, c'est clair. Je pense qu'il m'a fallu, peut-être qu'il m'a fallu réaliser ça, mais genre en travaillant longtemps dans des grosses structures. En fait, il y a des moments où, par exemple, quand tu te connais pas assez, tu te dis, mais à quel moment je serais satisfaite? Mais peut-être que ce qu'il me faut, c'est de la stabilité, de travailler dans un gros studio. Quand tu arrives à bosser dans un gros studio, tu te dis, ah, je suis toujours pas contente. Qu'est-ce qui ne va pas? Et à ce moment-là, au moment où enfin tu réalises que ce qu'il te faut, c'est pas forcément un statut de freelance, mais de réussir à faire tes projets personnels et à te jeter, en fait, c'est là où tu te sens le plus serein, en fait, quelque part. Enfin... Ouais, mais comme tu dis, c'est quand même tout le temps. Moi, je trouve que c'est toujours. C'est difficile de trouver un équilibre. Tu vois, moi, je suis super content quand j'ai beaucoup de temps, que je peux faire mes trucs, mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment. Il y a toujours une partie un peu de ton ego qui dit « Ah merde, en fait, t'as pas fait assez d'argent. » Aussi, c'est vachement tentant. Moi, j'ai tout le temps envie d'acheter des trucs, tu vois, alors que je sais que si j'achète un truc trop cher, j'aurai moins de temps pour bosser sur... Tu dis « Je vais acheter ce truc, il me faut tel ou tel contrat. » Et tu travailles juste... Je compte en jours. Oui. Quand je regarde un truc que j'ai envie d'acheter, je dis bon, bah ok, faut que je travaille 3 jours pour avoir ça. Ah, mais ouais, c'est ça. Après, c'est des plus riches. Ouais, je comprends. À partir du moment où je paye mon loyer, je suis bon. En fait. Non, c'est clair. Ouais. Après, c'est le risque aussi de trop travailler, c'est qu'une fois que je travaille trop, en fait, je veux dire travailler quand je travaille sur mon film, je compte pas ça. Hein. Je dis travailler en tant que prendre des boulots payés. Comme quand j'étais à Londres, en fait, je travaillais tout le temps parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à refuser quand on me propose un travail. En général, c'est le truc de freelance, c'est que t'as un peu peur dans l'avenir de manquer d'argent. Du coup, moi, à chaque fois, j'acceptais, ce qui faisait que je travaillais trop, je pense, je passais trop de temps à travailler. Et du coup, j'avais plus d'argent qui rentrait. Et comme j'avais moins de soucis, je dépensais mon argent, j'achetais plein de trucs hyper chers. Alors que depuis que, en partant à Taïwan, où j'ai pris moins de boulot, du coup, parce qu'en fait, j'en recevais moins, je dépensais moins aussi. Et ça, c'est un truc qui était cool aussi en étant à Taïwan, c'est qu'il fait super chaud. Moi, j'aime bien acheter des vêtements, et comme en fait, il fait chaud, t'es tout le temps en t-shirt, en fait, t'as pas besoin d'acheter des vêtements. Un short, un t-shirt, voilà, c'est tout ce dont tu as besoin. Ouais, mais Stéphane, même un short, tu peux te l'acheter à 1 000 euros. Mais non, mais de toute façon, ça se voit sur ses dessins qu'il est ultra fashion, quoi. Enfin, le fashion, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour toi, Stéphane, non?
Bah, j'aime bien, ouais. Mais alors, du coup, justement, est-ce que c'est le moment justement de promouvoir ton court métrage? Justement, est-ce que tu veux pas nous faire un petit résumé du synopsis justement, parce que, enfin, présente-nous le projet en fait. Voilà, parle-nous du projet. Non, mais en fait, je ne veux pas du tout parler du projet parce que je veux garder la surprise intacte. Ah. Mais non, je peux parler de. Enfin, non, bah, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ouais, en fait, c'est vraiment mon. J'ai l'impression que. Enfin, c'est un truc. Comment dire? Ça fait combien de temps que tu es dessus? Ça fait depuis 2016. Et il va me falloir encore, je pense, 2 ans pour le terminer, là. T'es vraiment tout seul, quoi. Tu veux pas demander de l'aide à des copains? Ben, je sais pas, j'y pense un peu là, mais en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de. Tu vois, ça faisait 10 ans en fait presque que je travaillais quand je l'ai commencé. Et au moment où je l'ai commencé, j'ai eu l'impression que ça allait, que ça valait le coup d'attendre en fait pour le faire. J'ai l'impression que c'est. Ça a mûri en fait pendant 10 ans et Ouais, que c'est vraiment t'étais pas prêt avant. c'est à point. Ça va être C'est souvent ce qu'on se et en dit fait. en fait. Enfin, on se dit heureusement que je l'ai pas fait plus tôt ce projet-là parce que ça aurait pas été assez mûr. Ben en fait j'aurais pas pu le faire parce que le truc c'est qu'en commençant le truc, depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression en fait qu'il y a une espèce de un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie en fait a conduit à ce point et en fait que ce film c'est ce truc-là quoi. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. C'est trop bien. Et c'est trop cool, ouais. C'est pour ça que je suis super content de le faire en fait, parce que ça, en fait, je suis vraiment comme j'ai l'impression d'être en train de, je sais pas, de glisser sur les skis qui glissent tout seul. Je sais pas, en fait, ça va hyper bien. En fait, puis j'arrête pas de voir des espèces de signes un peu mystiques en rapport avec le film autour de moi. Enfin, c'est. Ouais, c'est quelque chose qui te parle à fond, quoi. Ouais, c'est. Et après, c'est cool de le faire tout seul aussi. En fait, ce que je disais, c'est que, en fait, c'est hyper. J'ai l'impression que tout est très cohérent, en fait, parce que comme c'est moi qui fais tout, en fait, tout participe d'une espèce d'ensemble symbiotique, quoi. Mais est-ce que du coup, toi, t'as pas changé depuis 4 ans? Eh ben, si, ouais, j'ai changé, en fait. Mais c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que. Comme c'est un projet qui prend énormément de temps, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que comme je me suis un peu dégagé des contraintes de si j'avais une production et que forcément j'aurais une deadline, et là j'ai pas de deadline. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, je peux faire si un truc, un aspect qui me plaît pas complètement dans le film, je vais revenir dessus 2 mois plus tard et j'aurais trouvé une solution chambée. Alors que si j'étais dans une prod, en fait, il faut toujours faire un peu à l'arrache parce qu'il faut finir dans les délais, quoi. Et du coup, non, ouais, c'est cool. Et aussi, ouais, c'est trop bien parce que ça m'a, en fait, c'est une espèce de truc qui m'accompagne un peu. Et par exemple, je réalise que je fais des trucs qui prennent énormément de temps en même temps que je fais ce film. Par exemple, j'ai lu tout Marcel Proust là en le faisant la première année. Et après, j'ai La commencé à vache. apprendre le chinois et maintenant je parle un peu chinois alors qu'avant je ne parlais pas du tout. Et tout ça, c'est des trucs qui sont passés pendant la durée où je faisais ce film. En fait, j'ai l'impression que ça lui donne une valeur en fait. Une Enfin, grosse tu vois ce que je aventure. veux dire? C'est que c'est une espèce de. Ouais, c'est une espèce de grosse pierre comme ça qui. En fait, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. C'est vraiment un truc que ça n'a rien à voir avec une production, par exemple, de boulot, de pub ou de clip ou de trucs comme ça parce que c'est pas du tout le même. Les choses, non, le travail n'a pas du tout la même valeur que quand c'est une agence qui dit ah, faites ça, et on va prendre 15 personnes pour le faire dans un temps record. Là, j'ai l'impression vraiment que. En fait, le truc, c'est que je pense pas que la plupart des gens le verront, en fait. Mais pour moi, c'est assez important, en fait. Ouais, pour toi, c'est pas juste un film, c'est une partie de ta vie, quoi. Ouais, exactement, ouais. Je pense que ça rejoint à peu près ce que fait justement tous ces grands écrivains français de l'époque. Bah, Proust, Bah ouais, Proust a c'est. commencé à 40 ans. En fait, ça me faisait trop une espèce de truc en le lisant. J'avais l'impression. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc.
je sais pas comment dire. En fait, je l'adore ce projet. J'ai l'impression que c'est exactement ce que j'ai envie de faire, quoi. Et que je parviens à faire exactement ce que j'avais envie de faire. Mmh. Et du coup, c'est super cool, quoi. Et, alors, on a Momo dans le chat et, qui demande Stéphane, t'as pas peur d'avoir une trop grosse différence de style au niveau des plans de ton film? Sans doute parce que c'est sur une si grande durée. Non. Il y a vachement confiance. Peu, hein. J'ai vachement confiance. Non, mais en effet, il y a un... Après, ça fait partie du truc, mais j'ai l'impression en fait d'arriver que je polis le truc, je le polis de plus en plus. Et du coup, c'est vrai que le premier plan que j'avais fait, je sais que je vais le refaire là. Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'allais justement dire. On voit beaucoup aussi dans la BD, des gens qui commencent une BD. Et arrivé à la dernière page, ils se rendent compte que leur style est complètement différent, donc ils vont retaper les 15 premières pages, par exemple. Ouais, et ça, en fait, ça va parce que je me suis dit, quand j'ai commencé le projet, j'ai regardé mon site. Et sur mon site, il y a des travaux qui ont presque 10 ans maintenant, et je trouve qu'il y a quand même une unité en fait, entre ces trucs-là, même si c'est vieux, et les trucs que j'ai fait plus récemment. Mm-hmm. Du coup, je ne suis pas trop inquiet non plus à ce niveau-là. Est-ce que c'est une si bonne idée justement de... C'est toi qui justement disais que cette œuvre-là c'était un peu représentatif de ta vie et admettons aussi de ton évolution. Est-ce que ça mériterait de refaire ses premiers plans justement parce que c'était toi avant, tu vois. Non, mais en fait c'est difficile d'en parler tant que le truc est pas fini, quoi. Vous. Ouais, c'est sûr. Ouais. En fait, une fois que vous aurez pu le voir, ce sera plus facile d'en parler ensemble. Et Momo, il redemande. Comment tu fais pour rester motivé? Non, bah, en fait, je suis super motivé parce que justement, en fait, j'ai l'impression que c'est super, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment. Que ça vaut le coup de le faire, que c'est très cool, quoi. Ça vaut le coup, ouais. Ouais, ouais, le truc qui pourrait me démotiver, ça serait si je voyais quelqu'un qui sortait un film qui ressemblait à fond. Et en fait, je serais un petit peu dégoûté. Ouais. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ça. C'est cool. On croise les doigts. Et, ouais. Ah oui, d'ailleurs, il y a une fille qui s'appelle Kajika. Comment Kajika? Moi, je vois en tout cas. Je sais pas si toi, Nolwenn, tu vois qui c'est. Kajika Aki, c'est ça? Elle a fait un. Elle a fait un film toute seule. Là. Elle est sortie il y a quelques semaines. Ah, il y a quelques semaines? Ça te dit quelque chose, Job? Tu l'as vu? Ça s'appelle Mom, je pense. Mom. Ouais, c'est ça. Ah oui, ouais. Cool. Ouais, et elle a tout fait toute seule aussi, ouais. En fait, c'est trop bien, ces projets, c'est hyper rare. Il y a un autre mec aussi, un japonais, qui a fait un film apparemment tout seul, mais il y a quand même des noms dans le générique, une toute petite équipe. En fait, j'ai vu ce truc-là quand j'étais à Taïwan et que je travaillais sur mon film. En fait, ça s'appelle comment ce truc? Ça s'appelle Midori, quoi. Quand je fais une recherche Google. Je serais assez curieuse. Ouais. Je pense que du côté des courts-métrages japonais, j'en connais pas des masses en vrai. Quoi. Ça s'appelle Midori Shoujo Tsubaki. C'est un truc hyper gore. Avec des espèces de scènes de viol, avec des freaks, des animaux qui se font massacrer. C'est hyper dégueulasse. Ah, mais ça date, ça, non? Ouais, et il est entièrement, il est en entier quelque part sur internet, je l'avais trouvé. Et voilà, et en fait, ce mec a fait ce film tout seul, et tu sens aussi que c'est une espèce de truc hyper, qui vient des tripes, quoi. C'est un espèce de mec qui, tu sens que c'est, je sais pas pourquoi il a fait ça. Et c'est terrifiant, mais ouais, en fait, je trouve ça super cool, ces projets. Ouais. Et ce film-là, il est un peu maudit parce qu'il est tellement violent et dégueulasse que je crois qu'il a été censuré à la sortie. Ils ont brûlé la plupart des bandes. Ah, mais c'est pas. Ah non, mais je vois. Parce que ça rappelle vachement du Suehiro Maluo. Et Maluo est un mangaka qui est connu pour justement faire des BD extrêmement violentes, gore et un peu. Regarde le chat. Ouais, je crois qu'il y a justement ce commentaire-là. Ah, ok, c'est un carré, merci. Ah ben c'est ça, ouais, c'est malheureux. C'est la réponse. Et voilà, donc j'espère que ce sera plus que mon film parlera à un plus grand public que Shoujo Tsubaki.
Mais je peux affirmer que c'est tout. J'y mets autant d'énergie. Alors du coup, toi, Jonathan, est-ce que tu as un projet un peu de ce type Là. Non, j'ai pas d'idée précise de. Enfin, j'ai pas d'aussi bonnes idées, je pense, à développer. Donc du coup, je fais que des petits. Mais t'as des projets. Oui, c'est ça. T'as des projets quand même à côté. C'est quoi ouais, tes mais c'est vraiment perso? petit, c'est vraiment minime. Quoi. C'est pas aussi ouf que ce qu'il veut faire, Stéphane. Putain, vous le vendez tellement bien. Mais c'est clair. On va faire un J- jusqu'à la date où tu le termineras ce court métrage. On va pas là. Attendez à cette bombe qui va arriver. En fait, c'est ça le risque, ouais, c'est que depuis que j'ai commencé, je sors presque rien, tu vois. Alors que ce que toi tu fais, Jonathan, c'est peut-être plus d'un point de vue visibilité, ça marche mieux parce que tu as des trucs à mettre en ligne assez souvent. Ouais. Alors que moi, en fait, j'essaie de faire un truc de malade et si c'est au final, voilà, ça fait que je m'efface un peu en ligne, j'ai pas une présence très constante, quoi. Ouais, mais tu penses que ça te sert sur un autre niveau, quoi. Personnellement, c'est un truc important pour toi, donc du coup, Ouais, c'est clair. Est-ce que ça t'intéresse vraiment de savoir que Je pense ça que like sur Internet ou, tant que tu te fais plaisir à le faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et pour vous, c'est important la vitrine Internet, enfin, les réseaux sociaux? J'allais demander parce que, en fait, juste histoire de raconter les expériences que j'ai pu entendre, et puis même personnellement, en fait, j'ai l'impression que, à cause des réseaux sociaux, les artistes sont tellement, comment dire, dépendants, en fait, de ce système-là, que ça empêche les gens peut-être de faire des projets aussi longs comme le tien, Stéphane, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin de produire en masse. Et c'est ça la différence par rapport Ouais, à... c'est vrai, ouais. Bah, je la sens cette pression hein, aussi. Mais ouais, c'est un peu comme d'acheter des vêtements ou de gagner de l'argent. En fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de partie un peu. Une partie de l'ego, en fait, qui est un peu superficielle, tu vois. Qui fait que tu reçois tout de suite une récompense pour ton ego. Si soit tu as un statut, tu vois, un peu. Genre, tu as un boulot, quoi. Tu fais de l'argent, tu achètes des trucs qui te font plaisir. Ou alors tu as une espèce de présence en ligne comme ça qui fait que tu reçois souvent du feedback sur ton travail, qu'il y a des gens qui connaissent ce que tu fais. En fait, c'est très difficile en fait, de s'en passer complètement, je trouve, de ce truc-là. Et voilà, moi j'essaye un petit peu de m'en passer le plus que je peux, tu vois, en faisant ce projet-là. Après, faire ce projet, c'est peut-être aussi, y a un petit côté égo aussi, mais encore plus. Mégalomaniaque parce que c'est de faire un truc de malade, tu vois, mais Et que je fais seulement dans un lointain futur, quoi. Mais je pense. En attendant, ça me prive un peu de certains, tu vois, de certaines de ces récompenses immédiates de pouvoir montrer des petits trucs. T'allais dire quoi, Jonathan? Ah, pardon, je pense que ouais, y a plusieurs fonctions aux réseaux sociaux en fait. Je pense que. Ça peut aider à trouver du travail, poster des petits trucs vite fait, comme Bah ça. ouais aussi, ouais. Mais moi, non, ça m'empêche pas de rester focus sur des projets un peu plus longs, quoi. Enfin, c'est la plupart du temps les projets les plus longs, je les montre même pas au final. Du coup, Ah non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est marrant parce que, je sais pas, l'interaction avec les gens, voir la réaction des gens. C'est un truc dont on parlait en fait, c'est que parfois tu fais quelque chose et t'es tellement focus dessus que que c'est intéressant de voir comment les gens ils l'interprètent, quoi. Ouais, non, les réseaux sociaux c'est marrant pour ça et voilà, quoi. Mais après, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal maintenant, qui sentent cette pression en fait, de toujours devoir poster des trucs, sentir qu'ils existent sur internet et du coup ils peuvent plus se concentrer sur quelque chose de. Ouais, moi j'avais senti ça, mais pas pour, pas forcément pour le réseau social, mais je me souviens qu'à la fin de l'école, c'était ça. C'est vraiment tout ce que je dessinais, c'était dans l'optique de faire un portfolio pour ensuite avoir du travail. Et j'avais pas du tout, j'avais un peu perdu cette idée de dessiner pour dessiner et se faire plaisir.
Et c'est à partir du moment où j'ai eu mon premier taf, où je me souviens du premier cours de modèle vivant où je suis allée, qui n'était pas un cours pour mettre un truc dans un portfolio, mais vraiment pour me faire plaisir. Et c'était un sentiment tout nouveau et tout chaud et tout bien de pouvoir se dire « Non, je fais ça parce que j'aime ça, en fait. » Je pense que c'est le plus important, quoi. C'est vraiment... Ouais. Enfin, c'est le truc vraiment qui me... Ouais, qui me pousse à faire des trucs, c'est que... Enfin, je kiffe en faire... Je kiffe faire ce que je fais, et du coup, après, le poster sur Internet, c'est du bonus. Ouais. Ça peut, c'est une vitrine, ça peut me permettre de trouver du travail, de me faire voir, mais c'est, ouais, c'est vraiment du bonus, quoi. C'est pas vraiment le truc principal qui... Je pense que ça, c'est une manière assez healthy de voir les choses. Mais je vous trouve tous les deux très healthy, hein, parce que honnêtement, quand je... on n'a peut-être pas les bons invités pour parler de ça. Non, je plaisante. Non, en fait, quand je parle, je pense que tu dois rencontrer exactement le même type de personnes. C'est vraiment genre l'angoisse de ne pas être quelqu'un sur Internet. On parlait justement du soin de l'image, en fait, et de la représentation de ton art et de ton univers sur Instagram. Il y a des moments où, par exemple, ça paraît complètement pertinent, justement, en tant que freelance, de soigner son image. Mais il y a aussi l'idée que, comment dire, les réseaux sociaux tirent un peu la corde sensible de l'humain entre ce que tu... quand tu dérives, en fait, entre ta vie privée et ton taf, en fait. Je pense qu'il y a énormément de gens sur Instagram, surtout, qui vraiment mélangent les deux, mais de façon à ce que ça devienne plus des influenceurs, du coup, au final, ouais, plus ouais. Que des dessinateurs ou des artistes, en fait. Et là, ça devient un peu bizarre. Un peu... Ouais, mais en fait, c'est un média, tu vois, un réseau social, genre Instagram, c'est un média. Et après, il y a des façons de l'exploiter qui ont plus ou moins, je pense, de pertinence. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'angoisse un petit peu, justement, ce média, mais... ouais. Dans quel sens ? Dans le sens que je pense que, justement, c'est un truc qui est un peu fait pour être un influenceur, machin. Mmh. Et que... tu vois, moi, je suis beaucoup, justement, de gens qui mettent des photos d'eux, qui mettent un peu en valeur comment ils sont cool, machin. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, tu vois. C'est pour ça que ça m'angoisse. Mmh. Du mal à faire, c'est-à-dire que tu n'y arrives pas ou que tu ne peux pas faire ou... ouais, non, c'est pas trop... j'ai l'impression que ça colle pas trop à ma personnalité, peut-être, en fait. Je sais pas, c'est un truc... Moi, j'arrive pas à mettre des photos de moi sur Internet, tu vois. Alors que je sens qu'en fait, en faisant ça, tu peux avoir un super compte Instagram, quoi. En fait, c'est un peu le plaisir que tu as sur Instagram, c'est un peu à regarder ce genre de compte, quoi, en partie, quoi. Mmh. C'est clair. Moi, ce qui m'angoisse, c'est, avec Instagram, c'est que j'ai l'impression qu'on... ça devient de plus en plus facile de tous tomber dans le... tous aller dans la même direction, en fait. J'ai l'impression que c'est un monde avec des règles, des codes, et que c'est difficile d'en sortir, que ce soit des couleurs, des formes. Oui, c'est vrai. On se retrouve vraiment tous à plus ou moins faire la même chose, quelque part, sans en prendre conscience. Mm-hmm. Ça, c'est un truc qui me fait peur. Ouais, ouais, c'est peut-être parce que quand tu... En tout cas, sur Instagram, tu suis des gens, et forcément, tu vas suivre des gens que tu aimes bien, mais après, quand tu vas sur Instagram, en général, tu vois que les gens que tu as déjà likés, donc tu tournes en rond avec les mêmes styles. Ouais. Alors qu'il y a une vitrine à côté, je pense que... Bon, moi, je ne m'y connais pas très très bien en Instagram. Hein. Je sais même pas faire une story ou un truc comme ça, mais je sais qu'il y a un truc où tu peux aller pour voir des choses du monde entier, mais en général, c'est pas là que tu vas. Quoi. Tu restes dans ta bulle de ce que tu aimes et ça tourne en rond. Ouais, mais même là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a des codes du succès, en fait, qu'il y a des recettes pour réussir. On parlait d'influenceurs, j'ai l'impression que tous les influenceurs se ressemblent plus ou moins, en fait. Exactement. Il n'y a pas vraiment un influenceur qui prend des risques à être réellement lui-même pour réussir dans sa carrière. Quoi. Je pense que sur Instagram, tu es plus amené à avoir ces codes où tu vas faire ce que l'autre fait parce que ça a marché. Quoi. Même si tu vas de ce truc dont tu parles... qui existait à l'époque, je pense. Je sais même pas si ça existe toujours.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment des. Une boîte, en fait. C'est une boîte et. C'est dur d'en sortir, quoi. Ouais. Pratiquement parlant. C'est ça qui me fait peur avec, avec cette plateforme. Quoi. D'accord. Je pense que, en fait, encore une fois, ça titille un peu le mauvais côté de l'humain, c'est de vouloir être comme un mouton, en fait. Parce que tu vois que ton voisin a plus, enfin, a de la valeur aux yeux des followers, du coup, tu te dis, bah tiens, je vais prendre la voie la plus rapide. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, on consomme tout de façon ultra rapide et on a complètement perdu le sens de la patience, en fait. Et on veut un résultat illico presto. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas pas essayer de cultiver, en fait, ton originalité. En fait, tu vas simplement copier l'autre et... copier, c'est vrai, c'est un mot bien vulgaire, on va dire, mais tu vas utiliser les mêmes recettes, justement, pour avoir le même résultat, pour que... Admettons que ta carrière soit propulsée plus rapidement ou comme l'autre en fait à côté quoi. Ouais, je sais pas. Ça, ouais. je ressens pas trop ça. Enfin, quand il y a des trucs que je trouve cool en général, moi c'est souvent que je vois un post de quelqu'un qui a dessiné une petite merde, enfin un truc mignon tu vois, mais un tout petit truc et qui a 11 000 likes ou un truc comme ça. Je me dis toujours, mais attends, 11 000 likes pour ça, mais. Et je vais pas me mettre à faire ça pour avoir des likes, quoi. Enfin, je veux dire. Ça, c'est parce que t'es elfie, Nolwenn. Ici, là, nos invités sont elfie, ils font pas ça, tu vois. Nous, on parle des autres, tu sais. Mais en fait, j'ai l'impression que quand on parle d'Instagram, juste les quatre, là, j'ai l'impression qu'on parle pas du tout de la même chose parce qu'on suit pas beaucoup de comptes, en fait. Ouais, j'avoue. On est peut-être pas dans les mêmes bulles. Je suis presque pas de gens qui dessinent, en fait, sur Instagram. Du coup, j'ai même du mal à voir ce de quoi vous parlez, en fait. Okay. Ouais, moi, j'avoue, je suis un peu... Mais quel genre de personnes tu suis, du coup? Des photographes, des peintres? Non, plutôt des potes ou des photographes, des mannequins. Ouais, c'est plus pour regarder des photos, en fait, que je suis. De l'inspiration, quoi. Tu cherches des trucs. Ouais, ou pour voir un peu suivre les potes aussi. Ouais, après, tu vois, c'est pas... En fait, j'avoue que c'est un réflexe un peu. Je regarde Instagram quand je m'ennuie, mais c'est pas un truc... En fait, ça, entre guillemets, m'inspire pas plus que ça non plus, tu vois. Ouais, j'avoue, je regarde Instagram quand je sais pas quoi faire. Mais... ouais. Non, c'est pas une source d'inspiration, non, c'est sûr. Ouais. Mais ouais. Si, ça peut être un petit peu une source d'inspiration quand même, ouais. Je sais pas... Je sais plus ce que je dis. Enfin, pour moi, non, enfin, je n'y vais pas pour trouver des bonnes idées. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un pas... Comme tu dis, je suis les potes. Ouais. Des fois, tu prends des trucs cool, je trouve ça cool, mais sinon, je suis bloqué quelque part ou si j'ai besoin de me ressourcer, non, c'est pas sur Instagram que je vais. C'est pas sur Instagram. Je pense que moi, en l'occurrence, la façon moi, dont j'utilise Instagram, c'est que j'ai un peu de tout. J'ai des potes, j'ai des gens qui m'inspirent. En l'occurrence, leur site est cool, donc je me dis tiens, je vais m'inscrire, m'abonner à leur Instagram, et du coup ça devient un peu un fourre-tout. Il y a aussi, comme toi, Stéphane, je m'abonne à des mannequins, à de la bouffe, et à des influenceurs malheureusement. Et à des chiens. Et à des chiens, voilà. En fait, je trouve qu'un bon Instagram, c'est quelqu'un qui a une ligne éditoriale. Je sais pas comment dire, c'est ouais, il y a un truc très, en fait, très instantané, en fait, qui va, faut que ça te divertisse tout de suite quand tu vois ces trucs, et enfin qui a un style aussi, que tu reconnaisses cette personne dans tous ses posts. En fait, je trouve que c'est assez intéressant quand même comme média, quoi. C'est En fait, moi, du coup, les BD en fait que j'ai fait qui sont sur Instagram, je les ai faites pour Instagram. Parce que en essayant d'inclure justement les contraintes et les spécificités de ce média-là, en fait, c'est un truc que je fais à chaque fois que je fais un truc, j'essaie justement de réfléchir aux médias et d'inclure un peu les spécificités. Mmh. Avec Instagram, une des spécificités, j'ai remarqué, en fait, c'est que tu n'as pas de temps en fait, à consacrer aux images. C'est que tu scrolles, en fait, tu regardes les images un quart de seconde. Et en fait, du coup, mes BD que j'ai donc fait pour Instagram, j'ai fait en sorte que à la première case,
il y a déjà un cliffhanger en fait. Oh, pour okay. que la personne qui scrolle, elle ait envie de s'arrêter et en fait, faut changer de direction de mouvement, tu vois, et elle scrolle comme ça. Et pour la faire scroller comme ça, faut regarder la suite de la BD. Et en fait, du coup, ouais, mes BD Instagram, si vous regardez, en fait, à chaque case, j'ai mis un cliffhanger. Mmh. Ah, c'est marrant, du coup, parce que le média te donne des contraintes qui fait que tu vas être créatif dans ce sens-là. Tu vas te dire, ça va changer ta façon de bosser, quoi. Non, mais pour ce média-là, je veux dire. Ouais, c'est un truc que j'essaie de faire à chaque fois. Ouais. Mmh. C'est bien de s'adapter, en fait, à aux outils qu'on a actuellement, on va dire. Quoi. C'est comme quand tu as un Super 8 et tu fais comme tu peux pour filmer un film quoi, avec. C'est ça. Tout à l'heure, avec le fond et la forme, tu vois, du coup, la forme, c'est Instagram. Et en fait, moi, c'est ce que j'essaie de faire souvent, c'est j'essaie de faire en sorte d'adapter la forme au fond. En fait. C'est une démarche que tu as dans plusieurs. D'adapter le fond à la forme, plutôt. Il y a quelqu'un qui dit, sur le forum, qui a dit quelque chose d'intéressant. Il pense que c'est pas forcément Instagram qui fait l'uniformisation, mais plus l'époque. Moi, je pense que l'uniformisation, elle a toujours existé au final. Là, on parle juste d'Instagram, mais je pense que c'est les réseaux sociaux en fait qui accélèrent ce processus où. Tout le monde s'inspire plus ou moins de la même chose. En fait, je pense que ça a toujours existé. Je pense que. Enfin, même nous, quand on a commencé à dessiner, on s'inspirait de trucs, on faisait nos petites tasses chez nous, on recopiait nos petits dessins, mais on les montrait pas forcément sur Internet, ça restait pour nous, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, une personne qui veut commencer l'animation ou le dessin, elle recopie ce qu'elle voit sur Internet, elle le poste directement, quoi. Et du coup, ça crée ce mouvement de répétition et... Du coup, ouais, non, je pense que c'est les médias, enfin, les réseaux sociaux en eux-mêmes qui accélèrent le truc, mais je pense que ça a toujours plus ou moins... Ça a toujours existé, ouais, effectivement. Ouais, ouais, c'est vrai que je pense que les modes, elles passent plus vite, en fait, maintenant, depuis qu'il y a, en termes de style d'illustration, par exemple. Ouais. Après, c'est marrant parce que maintenant, il y a une espèce de style que beaucoup de gens ont adopté. C'est le style un peu vectoriel, tu vois, un peu genre Malika Favre. Ouais. Qui ça? Tu vois, en fait, ou même. Parce que, aussi, ça, c'est aussi parce que Malika Favre, c'est une illustratrice qui a inspiré beaucoup de gens et qui a. Enfin, c'est très dans l'air du temps, en fait, ce qu'elle fait. Et en fait, ça, c'est un truc qui est aussi dû aux contraintes, c'est que ça va beaucoup plus vite de faire des illustrations en aplat que. De faire des trucs avec des petites touches de dégradé à la peinture à l'huile quoi. Et en fait comme on n'a pas beaucoup de temps, qu'il y a des deadlines très strictes, en fait c'est aussi un des trucs qui fait que ce genre de style est très a beaucoup de succès quoi. Ouais, et puis je pense que les marques elles y trouvent leur compte au final, un truc avec plein de couleurs, simple, que tout le monde peut comprendre, accessible à tout le monde. Donc, du puis coup, aussi, ouais. Puis les agences et tout qui font des pitchs, tu vois, les boîtes d'anime et tout, ça va très vite aussi de prendre un peu des trucs qui sont. En fait, qu'ils ont déjà fait souvent dans le studio, ils savent comment ça marche. Je pense que chaque style a un peu a des raisons pour lesquelles ça se démocratise ou pas, quoi. Bah en tout cas c'est cool quel que soit le ce qui se passe actuellement, que vous perdiez pas votre but vous ne perdez pas quoi, c'est très bien. je pense qu'on se trouve un peu plus au final quoi. Mmh. Les joueurs, ouais. Hein. C'est vrai ça. C'est une très belle... faire nos trucs perso chez nous, je pense que là, on apprend juste un peu plus sur nous-mêmes. Ouais, exactement. C'est vrai. Mais alors, du coup, quelle est la suite du programme Nolwenn? Non, mais je t'ai dit qu'il ne faut pas te relayer à moi pour ce podcast. C'est fini, là, il est minuit. Le programme ce soir. Il est minuit 14 et en fait, Sandrine, elle a l'habitude de poser la question de fin. C'est vrai. Et quelle est votre recommandation, vos recommandations
justement. Qu'est-ce que, est-ce que vous avez vu, entendu récemment, entendu une citation inspirée. Alors moi récemment j'ai été invité à faire une playlist sur le site qui s'appelle curate.tv. Et Jonathan aussi d'ailleurs en avait fait une. Du coup c'est comme moi qui t'ai recommandé. Est-ce que tu peux le marquer dans le Discord que je puisse le partager aux gens du chat? Du coup là-dedans j'ai mis quelques recommandations et là je vois justement par hasard, c'est vrai que c'est un hasard, hein. Je vois qu'il y a dans la pièce un livre que j'ai fait, donc je vais en profiter pour me faire de la pub. Vas-y. La chose qui m'a inspiré le plus dernièrement. Alors j'ai des trucs à vendre. Moi j'ai des trucs à vendre. T'as des trucs à vendre. Alors donc, voilà. De boutique Etsy. Hein? Yes. Voilà. Il est superbe. Je l'ai fait avec une copine de Taïwan. Attendez, je ne sais et pas si je devrais. Et un pote du lycée a aidé aussi. Et c'est sur le thème des voitures. Il est superbe. Alors ça, c'est des dessins de ma pote. Ils sont trop beaux. Ça, c'est des dessins de ma pote aussi. Donc, on a fait moitié-moitié. Elle a fait cette petite série de bagnoles qui est magnifique, je trouve. C'est trop mignon. C'est mignon, ouais. J'aime bien la salle de droite. Ça, c'est encore elle. Celle-là est trop cool. Il y a une petite BD, voilà. Ah, c'est cool. Ça, c'est ma BD. Elle est très bien. J'adore comment tu te vends. Non, mais c'est bien, il faut se vendre comme ça. Façon très sympa, gentil. Ouais. J'ai un poster central et il est double face. Tu vois, il y a mon côté et si tu le dégrafes, il y a le côté de ma pote. Ah, génial. Est-ce que tu vas en faire d'autres? Pas dans l'immédiat, non. Là, je vais me concentrer sur mon film. Et alors, il y en a encore. Vous pouvez les acheter, mais il faut contacter ma pote. Je peux mettre son... contactez-moi et je renverrai vers elle parce que c'est elle qui a le... Comment je fais ça Genre, tu peux pas dire le nom de ta pote et comme ça, les gens pourront trouver... Si, alors, pour Instagram, c'est... Il faut lui envoyer un message hein, et je vous l'enverra, le bouquin. Sur Instagram, c'est at calendar, comme un calendrier en anglais, et 10, le chiffre 10. Ok, d'accord. Calendar 10. Voilà. Okay. Et également, ouais, y a un pote qui était avec moi au lycée qui a fait la bagnole dans ma BD. Et il a fait une voiture en 3D. C'est un mec qui était au lycée avec moi qui est fan de voitures. Et voilà. Stylé. Et c'est une histoire de voiture. Très bien. Attends, je vais essayer de vous montrer un truc qui va donner envie un peu. Voilà, en fait, la voiture, pour la démarrer, tu vois, la meuf, elle monte dedans. Ouais. En fait, il n'y a pas de volant et il n'y a pas de pédale. En fait, il faut mettre ses mains et ses pieds dans un genre de gel, comme ça. Il y a un petit truc qui sort, comme ça. Et en fait, pour la démarrer, il faut mettre sa langue dans le truc. Si t'as un accident de voiture, t'es pas dans la terre. En fait, c'est juste la première partie. En fait, vous allez voir, il y a une raison pour que tu fasses ça. Ah, d'accord. Ah, ils sont pas en pandémie hein, dans votre BD. Ah non, c'est clair, ouais, putain, la vache. Non, mais tu la prêtes pas, par contre. Cette voiture, en fait, il n'y a qu'une personne qui peut la conduire. Et je vous raconte pas la suite. C'est la seule personne qui ne pourra pas. Alors, c'est trilingue. C'est ça qui est bien, c'est que c'est en anglais, français et chinois. Ah, stylé. Trop bien. Voilà, en fait, c'est moi qui ai fait le design aussi, graphique. En fait, tous les textes sont... tu vois, il y a à chaque fois un paragraphe dans chaque langue. Ah, yes. C'est la même chose dans les bulles aussi. Stylé, stylé. Bon, bah, merci pour ce partage. Merci pour ce partage. En tout cas, n'oubliez pas, il faut contacter at calendar10 sur Instagram. Et si vous voulez avoir ce livre, du coup. Ouais, et il coûte combien? Il coûte, je crois, à peu près 10 euros, autour de 10 euros. Autour de 10 euros? Voilà, c'est la belle affaire, en tout cas. Frais de port inclus? Frais de port inclus, je crois. Frais de port inclus, c'était, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, c'était 10 pounds 50. 10 pounds 50? Ok, d'accord. Il me semble. Ok. Et alors toi, Jonathan, est-ce que tu as des recommandations? Moi, ma recommandation, c'est acheter le fanzine. On va parler d'un truc tout récemment là. Et toi, tu l'as envoyé, il me semble.
Je l'ai envoyé, il est quelque part dans ce bordel. Il y a plein de livres, alors, enfin, plein de colis que je dois ouvrir, mais j'ai pas. Ah, tu l'as pas encore ouvert. J'ai pas encore ouvert, non. Ok. Mais je l'ai reçu. J'ai reçu. La déception. Okay. Attends que le coronavirus disparaisse de l'enveloppe. L'ami exprès. Non, recommandation Momo pour Momo. Il est sur le forum, là, ça lui fait plaisir. Le documentaire sur Michael Jordan sur Netflix en ce moment. Ah, d'accord. Ah ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment un grand sportif, quoi. Non, je pensais pas être aussi inspiré par un sportif. D'habitude, je m'en bats les couilles, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des grandes choses, quoi. Donc, du coup, je regarde ça en ce moment et je trouve ça super intéressant. Ah, ouais. À un moment, il valide. Ouais. Attendez. Il a déjà vu? Il y a 8 épisodes qui sont sortis et il en reste 2. Ah, c'est une série en fait, c'est pas un documentaire. Ah, c'est une série de documentaires. Une série de documentaires, d'accord, ok. Ouais. Le seul truc que je sais pour sur Michael Jordan, enfin, je sais pas si je m'avance par rapport à la série, mais c'était mes parents qui adorent me raconter cette anecdote. C'était par rapport à son père qui s'est fait kidnapper, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus qui s'est fait kidnapper dans sa famille, mais. Non, c'est Booba, ça. C'est sa mère qui se fait kidnapper. Non! Oh là, oh. Franchement, sa mère, elle a rien demandé. C'est le fils qu'il faut. Bon, enfin bref. Non, c'est son père qui s'est fait. Enfin, on a tué son père, mais on sait pas pourquoi en fait. Ah, Jordan? Ouais. Mince. Il avait une vie vraiment. Mystère et boule de gomme. Ouais. Ouais. Et Nolwenn, du coup, tes recommandations? Tu en as? Moi je regarde beaucoup de séries, contrairement à certains actuellement présents. Non, je regarde beaucoup de séries, mais là, donc j'avais commencé la série The Mandalorian de Star Wars, là, et je m'étais arrêtée au 4e épisode en me disant ça me dit pas trop, il n'y a pas assez de. J'ai l'impression que c'est un peu trop lent. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé les deux premiers épisodes, Baby Yoda, tout ça, trop mignon. Ouais. Et en fait, j'avais arrêté, et là, ils ont sorti les making-of. Et du coup, j'ai regardé les deux premiers épisodes de Making of et j'ai adoré parce que, je sais pas, tu te rends compte que. Donc, ils ont pris des réalisateurs qui sont pas des grands réalisateurs, mais qui ont du potentiel et qui connaissent bien Star Wars. Et les entendre parler, en fait, ça m'a trop donné envie de faire des films. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder la fin de la série The Mandalorian. Donc, j'ai regardé jusqu'au bout. Et finalement, c'était cool. Je suis contente de l'avoir vu, je trouvais ça bien. Et juste voilà, ces making-of là, je les ai trouvés hyper bien, hyper inspirants. C'est vrai que quand tu regardes les making-of, parfois, enfin les séries, parfois, c'est un peu l'air de rien, mais les making-of, c'est ce qui te motive le plus. C'est surtout quand tu entends parler les réalisateurs, que là, ça te donne vraiment envie de réaliser ou de créer des choses, en fait. Il y a ça, ouais. Et puis, ils ont des anecdotes, je trouve, marrantes. Ah, mais c'est clair. Ils ont toujours des trucs sympas à raconter et là en plus il y en a des bons quoi. Non seulement il y a Taika Waititi déjà que j'aime beaucoup qui a réalisé le dernier épisode. Et en plus il y en a un, je sais plus son nom mais il est trop bien, c'est un gros fan de Star Wars qui avait jamais rien réalisé en live avant. Et là on l'a contacté pour qu'il vienne, il raconte son expérience. Donc je vais pas vous raconter mais allez voir, c'est hyper drôle comment il raconte sa rencontre avec Lucas et que. Enfin, il y croyait pas quand il était au téléphone, genre non mais c'est une blague. Ah là là. Ouais. J'ai l'impression que. Enfin, quand je regardais par exemple, ne serait-ce que le film, le numéro 7, en fait, où tu vois les innombrables caméos d'acteurs connus qui ont tourné dans des grands films et qui se retrouvent dans un Star Wars. Et que la seule et unique raison pour laquelle ils sont là, c'est justement parce qu'ils étaient ultra fans de Star Wars, quoi. C'est un rêve qui se réalise, quoi. Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, tes inspirations du moment? Alors moi, j'ai fait une excellente découverte il n'y a pas si longtemps, justement. Je vous parlais de BD alternatives que j'avais découvert à Angoulême. Et alors, cette BD-là, je ne l'ai pas découverte à Angoulême. La personne qui a scénarisé la BD
Je l'ai rencontré à Angoulême, je le connaissais déjà sur Twitch, mais je l'ai vu donc à Angoulême, et j'ai enfin lu sa BD, et franchement, ça s'appelle Mekaniki, M-E-2-K-A-N-I-2-K-I, et en fait, je vous le recommande vivement. En fait, l'histoire reste... Enfin, le début d'histoire est relativement classique. C'est une histoire d'aventure d'une nana qui part de son village, justement, qui est plus ou moins maudit en fait par une sorte de maladie qui se manifeste sur certains villageois. C'est-à-dire que cette maladie, c'est quoi? C'est qu'il les transforme en pierre. Et justement, elle part de son village pour aller chercher un antidote en fait, et en même temps en fait avant elle il y avait son père qui est parti du village notamment pour découvrir l'antidote, mais qui n'est plus jamais revenu au village, et par ce biais là en fait elle va essayer d'abord de trouver l'antidote et aussi de trouver son père quoi. Et le truc c'est que c'est plutôt bien écrit, en tout cas c'est écrit par mon pote Exaeva. Et ça a des tournures relativement dramatiques en fait, et je pensais pas être un jour émue par une BD. Je trouve qu'il est extrêmement, enfin je sais pas vous, mais je trouve qu'il est extrêmement difficile d'être émue par une BD parce qu'il n'y a pas le son, parce que contrairement au film auquel on a plus l'habitude de regarder en fait, je trouve que toutes les recettes de l'émotion en fait, je le craignais qu'on le perdrait justement dans la BD. Parce qu'il n'y a pas le son, il n'y a pas les voix, il n'y a pas le jeu d'acteur. Mais dans Mekaniki, il y a un peu de ça, quoi. Et ça restait émouvant, et j'ai cru que j'allais tirer une petite larme. Donc je vous le recommande vivement, en tout cas. Et dessiné par Félix Laurent, qui m'a donné aussi, une leçon de narration en termes graphiques. C'est-à-dire que par rapport au film auquel on a trop l'habitude en fait de regarder, c'est que chaque fois que, et je l'apprends en faisant ma BD actuellement, c'est que j'ai tendance à faire du storyboard de cinéma, alors qu'en vrai, vous qui avez lu beaucoup de BD en fait, normalement on devrait avoir une certaine forme de liberté. On n'est pas obligé de se cantonner à genre à un panorama et c'est tout quoi. Alors qu'on peut devenir plus graphique, on peut aller au-delà en fait de la mise en scène cinématographique. Et justement, je l'ai appris grâce au dessin de Félix Laurent, quoi. Voilà. C'était long. Trop bien. Ok, moi je vais checker. Cool, cool, merci. Cool. Alors, c'est la fin du stream. J'espère que les gens ont beaucoup apprécié notre conversation. J'espère que... Est-ce qu'on a vraiment fait tout le tour ou on a loupé des trucs? En fait, est-ce qu'on a couvert tous les sujets dont on devait parler? Est-ce qu'on ferait pas une deuxième partie? Mais oui. Mais oui, mais ok, la deuxième partie commencera à 3h du mat. Après la sieste. CV, Jonathan, et vraiment, on n'a rien à faire, on ne travaille pas, donc du coup... Mais c'est vrai, demain c'est le week-end, en plus, demain c'est samedi et... Non, non, mais je blague, pas maintenant, mais plus tard peut-être. Je sais. Ah, ouais, plus tard. Ouais. Ouais, bah ouais, hein, franchement. Ouais. Genre dans un mois ou non, deux, quoi. Ah bah, à fond, enfin, on revient dans un mois, puis on voit l'état psychologique dans lequel on est. Moi, je me dis que ce qui serait intéressant, cela dit, c'est que si tout se passe pour le mieux avec le coronavirus, tout ça, ce serait idéal, en fait, de peut-être faire un podcast ensemble, ouais, et dans une même salle, avec le meilleur micro. Ouais. Ouais. On se rejoindrait sur Paris. Ah, ouais. Ça serait bien. Ou à la campagne. Ou à la... C'est bon. Ouais, ça serait trop bien. Moi, j'attends que ça, de pouvoir faire un podcast, genre, ensemble. Ouais, oui. Ce serait cool. Bah, on en rediscute, on en rediscute. Ça y est, ouais, c'est l'heure. Il est minuit, c'est bon. Il est minuit, là. Donc, ouais. C'était trop cool, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Merci. J'espère que les gens du chat, si vous aviez été là pour nos deux premières tentatives, on est désolé, mais on a quand même réussi, grâce à Sandrine, à lancer ce live. Et j'espère que ça a été intéressant et on vous retrouvera très bientôt. Oui, à très bientôt, peut-être pour une deuxième partie. Vous voyez, on l'a dit, on le fera sans doute. Peut-être tous ensemble. Voilà. Wow. Au revoir. Au revoir.